N'oublie pas que t'as 3 HF. Fais gaffe, on est sur stream. Et c'est la fin du lancement générique. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je crois qu'on a oublié un truc. Si vous entendez un son chelou, oui, ah oui, c'est un ventilateur. On a acheté un ventilateur portatif de très haute qualité. Et attendez, hop. En tout cas, moi, je suis ravi de voir qu'on commence les émissions comme d'habitude. C'est avec une intro, mais digne des meilleures émissions de TF1. Moi, je corrige les tweets de Greg. Bon, on est d'accord que ça n'a pas commencé, là. Quand il touche le ventilo. Attends. Voilà. Bonjour à tous, hein, bonjour à tous, bienvenue dans Culte Click, une émission qui parle ciné-série. Ah, et qui vous montre aussi ses ventilos. Making of, émission spéciale Making of aujourd'hui. Oui. Fais un peu la demoiselle, tu sais, sur on la plage. On n'a pas de cheveux, nous. Bref, ça y est. Et là, ça y est, on vient de prendre 60 degrés dans les dents. On vient de passer d'un film de Transformers à un film français, là, niveau son. Ouais. Ah. Sinon, bonjour à tous. Ah bon. On arrive sur le chat. On arrive, oui, parce qu'un culte and click sans le chat, c'est comme une bolognaise sans tomate. Pacific Rim sans kaiju. C'est, oui. Pas mal vu. Ouais. Un point Gardel. Et donc, bonjour à tous. On l'a déjà dit 3 ou 4 fois. Mais oui, mais c'est pour faire un faux rythme de démarrage et oui, tout. Parce direct, qu'on tu dis bonjour à tous, le chat de chat. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai envie, histoire que l'émission mette encore plus de temps à commencer. À commencer, ouais. Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette émission? Alors, pour les habitués, ils vont s'en rappeler. Pour ceux qui bah, pour les non-habitués, on va vous expliquer le truc. Où il s'était renommé, tout le monde dans le chat s'était renommé en fonction. Je vous propose de faire un thème aujourd'hui. Oui. Et que tout le monde se renomme. En fonction. Mais un truc qu'est-ce safe. Qu'on va choisir une actrice porno. Voilà. on est safe. Il est quelle heure? Non, pas une actrice porno, il est trop tôt. Les films les plus pourris selon eux. Ah non, non, parce le que le premier qui s'appelle c'est Sharknado. Batman, en fait. Donc, il va y avoir, ça va être full Sharknado, tu vas voir. Bah, en joueur du mondial. Vu que c'est le mondial. Ah non, il n'y a pas beaucoup de fans de foot, je sais pas. Mmh. Je sais pas. Ou alors en. Mmh. Alors, les gens proposent des personnages morts. Ouais, et des... On a déjà fait... Bah, on peut refaire en personnage. Alors, oui. Comment se rename? Il faut se faire ban du chat. Non, il faut juste déconnecter, en fait. Il faut... Tu vas sur ta box orange. Là, on fait comme si on t'appelle la hotline, tu sais, du Maricap. Bonjour, donc là. Vous avez un problème? Vous avez un problème de télé? Débranche ta box. Tu as un problème de téléphone? Débranche ta box. Ah non, non, alors, il y a Alan Wandrell qui s'est renommé en Under the Skin, et c'est vraiment pas cool. Tu dis un AV, il met Under the Skin. Non, 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 c'est non. Pas propre. Non, c'est pas, pas propre. Propre. C'est pas propre. Quand une actrice se met à nu comme ça sur un film, c'est pas propre de se moquer d'elle, juste parce que voilà, le film n'est pas si bon que prévu. Bah, Kerr, je pense que Kerr nous dira l'inverse dans 4 heures. Oui, parce que les Kerr, bien évidemment. Dans 4 heures. C'est une émission, alors on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est une émission qui doit, en théorie, durer 2 heures et qui... Dans les faits, dure 7 à 8 heures à peu près. Alors, on est normalement sur 1h30, hein. Je tiens juste à le dire. C'est juste que voilà, on est des... contrairement à certains autres commentateurs, sans vouloir jeter la pierre, nous tenons un peu plus de temps que prévu. Oui, oui, oui. Sans vouloir jeter les pierres? La pierre, voilà. Oh, oh jeu de mots, voilà. Jeu de mots. Donc là, on avait dit qu'on arrêtait ça. Mais par contre, c'est très bien ce que tu viens de faire. Et oui, c'est certes, très on a bien l'habitude, ce que je... on a l'habitude d'avoir nos gens qui nous suivent, mais j'ai cru voir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nos gens. Nos gens. Ça va, regardez. Ça va, nos gens. Tranquille. Du côté de... Les... Nos gens. Ah, merci. Et on dit donc, du coup, bonsoir à tous les... Alors, Smallville, lol. Et donc, on va repréciser, quelle est cette émission? Oui, ça peut être aussi... C'est quoi? Ça peut être aussi des séries hein, de mauvaise qualité.
Bien évidemment, donc je vous conseille très vite de vous renommer Supernatural parce que ça risque d'être pris très vite. Under the Dome. Under the Dome aussi, très, tout à J'ai fait. J'ai d'ailleurs regardé le premier épisode de la saison 2, c'est encore pire qu'avant. Hein. Et bah, moi je l'ai regardé, j'avais pour objectif de regarder le premier épisode avant d'arriver à l'émission. Et en fait, j'ai eu la chance que la SNCF soit dans les temps et m'amène à Paris avant que l'épisode se termine. J'ai ainsi donc pu échapper à Barbie et ses copains. Les gens quittent massivement le chat pour y revenir. Et des noms très étranges. Docteur Who. Angel. Oh, il y a Angel, attends. Docteur Dominion. Alors, je suis pas dur. Game of Thrones. Game of Thrones, c'est... Oh là 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 là. C'est dur, là. Hein. Game of Thrones, c'est dur. Joséphine. Je crois que j'ai lu un big beef, là. Oh, il y a The 100. Oh non. Heroes. Yeah, Desperate. Tomorrow People, oui, oui, oui. Est-ce qu'on la commence, cette émission ? Est-ce que, j'ai envie de dire, ça fait plus de 11 minutes que nous devrions la commencer. Il est grand temps. 11 minutes, il se fait... on peut encore faire 20 minutes d'intro. Oui, L'émission qui étire. Bonjour, nous étirons. Mais qu'est-ce que vous en pensez du coup de faire un petit sommaire de cette émission ? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Générique. Oui, bonjour. Wouhou. Et alors, on commence notre émission toujours par la chronique de « On parle de nous parce qu'on s'aime bien ». Comment ça va, Bigby ? Moi, ça va. On va faire un ça va court vu qu'il faut aller direct dans le tranchant de l'émission. Pourquoi ? Moi, ça va. J'ai plein de choses à dire, moi. Merde. Bon, bah, vous allez subir beaucoup de choses de guerre. Ouais, j'ai vu ma gynéco cette semaine et. Enfin, bref, moi, ça va. Je suis très chaud. Dans 2 jours, normalement, je réalise le festival Electro Beach. Ouais, et alors, on ne le plus. Le plus gros festival électronique de France. Sur Port Barcarès. Voilà, donc si vous allez au festival et que vous voyez des très très grands DJ, eh bien, je suis au fin fond perdu dans les loges. Et voilà, en train de réaliser le truc. Et j'ai très très hâte. Voilà. Ouais. Donc voilà. T'as regardé des trucs cette semaine à conseiller à nos amis viewers ? J'ai découvert, redécouvert Netflix. Qui était vraiment une... ça m'a fait plaisir, c'était un vent frais, parce que du coup, t'as beaucoup de séries proposées, etc. etc. Animorph, là, qui vient de popper sur Netflix, la série des années 90. Ça vous dirait Animorph, les petits ados qui se transformaient en animaux. En animaux. Ouais. Ah bon ? On ouais. Rien Animorph, c'était vrai, c'était vrai. Et du coup, Electro Beach ou censuré. C'est un thé. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on disait ? On disait oui, Netflix, parce que c'est vraiment, vraiment pas bien, je trouve, que Netflix soit si facilement accessible en France. Par de simples modifications de DNS, les gens mal intentionnés peuvent arriver sur Netflix, et je trouve ça vraiment pas bien. Ouais, c'est vraiment pas bien. Voilà. Et en plus, arriver sur Netflix avec du contenu en 4K. Et oui, et le truc, c'est que Netflix a du contenu 4K pour les gens qui ont la fibre. Ouais. Et ça, je trouve ça d'autant plus mal d'aller pirater Netflix. Ouais. Mais alors, ils ne piratent pas. En fait, ils peuvent accéder au site en payant le service. Non, parce que ce n'est pas encore autorisé en France. Ça sera autorisé, mais ce n'est pas encore... Il y en a un qui s'est appelé Trou Détective. Ce n'est pas possible. Trou Détective. Non, attention. On va lui péter les reins. Attention à toi. Et on salue Baguette, qui n'était pas là la semaine dernière et qui nous a informé sur Twitter de sa présence ce soir. D'ailleurs, vous êtes très nombreux le lundi à nous dire « Ouais, mais vous inquiétez pas, on est là ce soir et tout. » Et c'est vraiment cool de savoir que vous êtes là ce soir. Et je veux juste dire aussi à Kaoru, qui réalise aimablement cette émission ce soir, que s'il veut, il y a d'autres angles de cam. Si, pas du tout, je suis pas intéressé. C'est normal, pas intéressé. C'est surtout qu'on entend l'attaque des titans à travers le mur. On sait très bien que tu ne réalises pas cette émission pour de vrai. En fait, je lis quelque chose, c'est très très intéressant. D'accord. Bon. Ça s'appelle Cut and Click. Salut, comment ça va ? 2 minutes par personne, pas plus. Et oui, mon bon Kaoru. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, tu as fait ton. Comment ça va ? Passons Mais à. Mais non, je l'ai pas fait. Si ? Si, 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 le public, est-ce qu'il l'a fait ? Moi, je l'ai entendu. Et toi, Cardel, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va, bah, vu que vous avez fait un peu d'autopromo. Alors attends, j'essaie mais de. J'ai pas fait moi, pourquoi tu dis vous ? Il y a que. Moi j'ai pas parlé. Bah si, pourquoi ? En fait, il y a une tête chelou à côté, c'est bizarre. Et non, donc oui, je vais faire aussi un peu d'autopromo parce que dans 3 jours, j'aurai l'honneur de réaliser Memory Card. Donc j'en suis plutôt content. Non, bah sinon, écoute, ça va. Là, les séries de l'été commencent, donc c'est cool. Under the Booze. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre aussi ? True Blood, où ça part, mais là, alors complètement. True Blood. What the fuck ? True Blood. True Blood, True Blood. Et puis, ça va plutôt pas mal. Hein. Ça va plutôt pas mal.
Eh bien, merci à toi. Et donc, passons à la catégorie Actu. Et oui, car tu l'as fait, c'est clair. C'est con, parce que j'avais vraiment des trucs intéressants à dire, là. Eh bien, écoute, on va les garder, ces trucs intéressants, pour la semaine prochaine. C'est gros teasing. Gros teasing, qu'est-ce que Kerr va dire la semaine prochaine? Nous serons ça après une page de pub. Non? Bon, alors, on fait l'actu. On fait l'actu. Qui veut commencer, messieurs? Kerr, je suis sûr. Kerr. Non, tu fais mon actu. Les actus. Non, j'ai fait. Bah, de toute façon, mon actu a été pris par Bigby. Parce qu'en fait, j'étais. Putain, je suis Transformers, c'est tout. J'ai fait, mais c'est déjà dans mon filet, ça. Oh non, maintenant c'est dans le mien. Je tiens à dire que j'ai pas les infos pour Kerr. On va commencer par quelqu'un d'autre, le temps que j'ai peur. Ok, très bien. Bah écoutez, je vais commencer. Le truc trop bancal. Et oui, donc oui. Visiblement, quelqu'un aurait retiré les images et vidéos de Kerr pour qu'il ne puisse pas faire ses news. Non, mais je vais commencer. J'ai envie de vous parler d'un acteur et d'un réalisateur déjà confirmé, comme on dit. Non, je vais vous parler de Ridley Scott et de Christian Bale, parce que Christian Bale d'ailleurs, sans S. Ridley Scott est en train de réaliser un nouveau péplum qui s'appelle Exodus, et il y a enfin les premières images qui sont sorties, quelques photos, Kaoru d'ailleurs, si tu les as, qu'on puisse les montrer. Exodus, c'est quoi? Donc ce sera un péplum qui réécrit l'histoire de Moïse, pour l'instant on n'en sait pas plus. Maurice sera donc joué par Christian Bale. Ce qu'on peut dire d'autre dessus, c'est qu'évidemment, musique de qui, à votre avis? Hans Zimmer, vu qu'il est partout. Bah, laisse-moi répondre. Non, parce que t'es trop lent, faut que ça avance là, attends. On va vite, hein, car il faut aller vite. Et on pourra aussi retrouver, pour tous les adorateurs de Breaking Bad et de récemment Need for Speed, et ben Aaron Paul sera aussi présent dans Exodus, et on retrouvera aussi Sigourney Weaver. En gros, ce qu'on voit des images, c'est-à-dire pas grand-chose, à part que Christian Bale tire à l'arc. Voilà, sinon ça a l'air d'être un bon péplum. Bon, je vous rappelle que Ridley Scott, c'est quand même celui qui a fait Gladiator, donc dans le Gladiator, dans le style même. Gladiator. Même qu'il a fait Gladiator. Ouais. C'est le monsieur d'ailleurs qu'on voyait à gauche. Donc dans le style, je pense que ça peut être pas mal. Ça aurait été un autre réa, j'aurais eu un peu peur d'Exodus, vu le titre. On dirait que c'est... Puis vu les costumes, là, c'est pas très vu ouf. Les costumes. Hein. Mais tu verras, en plus, il y en a une autre photo qui est... T'es sûr que t'as pas confondu avec Hercule, là? Il y a des images d'Hercule. C'est un peu low cost. C'est un peu low cost, et j'ai l'impression qu'il surfe un peu sur le truc de Noé, où Aronofsky, récemment, a donc créé... Surfer sur Noé avec le déluge, c'est facile, il y a de bonnes vagues. Fallait la faire, ça, non? Voilà. Vous l'avez pas vu venir, ça? Non, mais chauffe-toi, c'est bien, c'est bien. On est dans de bonnes zones. Moi, c'est cette photo qui me fait le plus peur, surtout. Pourquoi? Je trouve ça cheap. Moi, j'allais dire que c'est la moins cheap de toutes. Bah si, rajoute 2000 figurants à la première boîte, pourquoi tu pas. Tu vas montrer un truc. Montre-moi quelque chose. Ça va. Cheap. Ça va. Les gens disent qu'ils ne t'entendent pas suffisamment bien, Kao. Parce qu'en fait, je parle à Nico, pas aux gens. Merci. Et donc voilà, donc pour une sortie en France prévue au 24 décembre, sujette à être repoussée ou avancée, mais pour l'instant, ils sont au 24 décembre 2014, donc juste avant Noël. Il y a Luc Besson qui dit, il y a Luc Besson, donc on salue, merci à toi pour tes films, qui dit, c'est les décors de Sacré Graal. C'est pas faux. Est-ce que le chat peut me dire s'il m'entend? Alors, est-ce que le chat, vous entendez, Kaoru? Ça fait comme un petit bruit de koala énervé. Si vous entendez un bruit très étonnant, c'est sans doute Kaoru. Dites-nous tout. Et donc là, on ne va pas attendre les 15 secondes, donc on enchaîne. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Voilà, donc Exodus, réalisé par Ridley Scott avec Christian Bale, Aaron Paul et Sigourney Weaver, qui devrait sortir le 24 décembre 2014. Merci. Merci, mon bon Kerr. Eh bien, Kerr. Moi, j'ai pas de filet. Il n'est pas à l'écran. Non, il n'est pas à l'écran. Tu n'as pas pris de notes? Ben non. Je te laisse regarder. Tu veux pas me donner le Wi-Fi? Je te laisse alors, regarder. Ma première news, j'aurais dû le savoir. C'est Kerr Calimero quand même un peu. Va concerner un film de petit budget, un film... On peut d'ailleurs enlever Exodus. Hein, un film indépendant franco-bulgare, puisque nous avons la confirmation officielle que Pacific Rim 2 est bel et bien en chantier. Il a été officialisé par Guillermo del Toro. Mais c'est une bonne nouvelle, enfin, Cardel, t'imagines? Oui, bah oui, ça nous donne du contenu. Ça veut dire que même nos enfants pourront se moquer de Kerr et tout, nos petits-enfants pourront se moquer de Kerr. Inside, la vidéo que Kerr a mis dans son filet a été supprimée par l'utilisateur. Il n'a pas mis de vidéo pour Pacific Rim puisqu'elle n'existe pas. Pour le prochain truc, il faut intérêt à avoir un autre backup. Ok, nous ne comprenons pas ton discours, homme de l'espace. Pour quelle news, Fred?
le nouveau Trevor de Gone Girl. Bah, je l'ai récupéré tout à l'heure, il allait très bien, mais sinon tu tapes Gone Girl trailer sur YouTube. Le trailer allait très bien. Tu mets une semaine dans les vidéos de la dernière semaine et tu vas le trouver tout de suite. Bienvenue dans les coulisses de Cult & Click. Voilà. D'ailleurs, je vais rajouter que normalement, Kaoru peut récupérer l'ordi que Bigby a entre les mains. C'est vrai? Oui. C'est pas une bonne nouvelle. Et donc voilà. Et alors, est-ce que je peux parler de... Vas-y, Pacific Rim 2. Pacific Rim 2 donc sortira bel et bien. On s'y attendait, mais on n'était pas tout à fait sûr. Il y avait un problème apparemment avec la Warner qui sort Godzilla et qui avait déjà Pacific Rim. Et là, en fait, le problème s'est réglé puisque c'est Universal qui récupère Pacific Rim avec Legendary. Et du coup, Guillermo del Toro va sortir la suite qu'il écrit actuellement avec le scénariste d'X-Men Days of Future Past. Et ça sort le 7 avril 2017 aux USA. Et ça n'est pas tout. C'était déjà le même scénariste sur Pacific Rim le 1 ou pas? Non, pas du tout. Je l'ai dit dans la dernière émission. Ils ont changé de scénariste. Je ne regarde pas nos émissions. Et tu les écoutes pas alors. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura aussi autre chose sur Pacific Rim, puisqu'il y aura une série animée qui reprendra en fait le roman de base. Donc, on va manger du Pacific Rim et c'est vraiment cool. Et Del Toro a dit que le scénar allait être un peu plus stylé que dans celui du 1, ce qui, ma foi, n'est pas bien difficile, et que le film, la suite, serait très différente du premier. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais rajouter. C'est qu'il a fait de longs paragraphes d'explications pour dire que le deuxième serait quand même très différent du premier. Et donc, lui-même, quelque part, moi, j'entends un sous-entendu d'excuses. Un peu. Et je crois même qu'il pleurait. Et en disant « s'il vous plaît ». Mais vraiment, enfin, on sent qu'il a envie de dire « bon, c'était une connerie que j'ai fait, j'étais jeune, j'avais 2 ans de moins. Et là, maintenant, j'ai fait un Pacific Rim 2. Je vais enfin copier non plus des films américains qui font semblant de copier des animes. Il va directement copier les animes, il va prendre le scénario, il va juste changer les noms et il va faire un truc stylé. Donc, ça va être du vrai Evangelion. » Et du coup, question de Babarge qui demande. Alors, mais puisque. Alors, voilà, Evangelion, on n'en a coup, pas parlé. De question de Babarge. Attends. mais il y a Kaoru qui dit annulée. On ne touche pas Evangelion. Eh bien, sois rassuré, Kaoru, ça n'est pas Guillermo del Toro qui va toucher à Evangelion, puisque l'adaptation cinématographique d'Evangelion devrait logiquement être faite par Michael Bay qui est derrière Transformers. Donc, te voilà rassuré, tu vas passer une bonne soirée maintenant. On peut passer à la question de Babarge. Non, Babarge, je te demandais... Non, ça va prendre à Kaoru à troller del Toro. Maintenant, il a Michael Bay sur Evangelion. Et en plus, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Dans les faits, c'est moins flippant. Michael Bay sur Evangelion, c'est pas flippant. C'est moins flippant. Transformers 1 versus Pacific Rim, il y en a un qui a un vrai scénar. Pacific Rim, oui. Non. Il y en a un, il y a un enfant qui découvre un robot, etc. Pacific Rim. Ah, dans Evangelion, tu veux dire. C'est un enfant, tu sais, qui joue pas avec dans des Transformers. Mots. Non, Transformers, c'est un scénar. Par rapport aux deux. Mais bon, attention. Donc, du coup, c'était quoi, Babar, j'avais une question. C'était plus une remarque qui disait, parce que tu disais qu'après Pacific Rim 2, il y aurait une série animée qui sortira. Elle sortira même avant. Bah, est-ce que c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Godzilla en 98, où tu avais eu le film, et ensuite une série animée où... Je sais pas. La presse a plutôt comparé ça avec Clone Wars. La série animée de Star Wars qui... était en parallèle à la sortie des films de Lucas. Voilà. Bah du coup, j'enchaîne. J'enchaîne Vas-y, en disant qu'il y avait de grosses rumeurs sur Internet pour dire qu'il y aurait sans doute un prochain film avec Hulk en star, joué donc par Mark Ruffalo, que vous avez vu dans The Avengers. Le Hulk, c'est pas l'attaquant brésilien qui marque jamais le but. Hein. On est d'accord avec ça? Voilà, c'est ça. Okay. Ni celui qui s'est fait démonter la colonne vertébrale, c'est aucun rapport. C'est Neymar, ça. Voilà. D'ailleurs, Neymar est sur le chat. Et on avait dit, Neymar, sur le chat, qu'on ne faisait pas les noms de personnes disparues. Donc, tu peux te renommer. Voilà. Non, il est au bloc, là, en ce moment. Yes. Et donc, du coup, on disait que Planet Hulk, donc il y avait de grosses rumeurs pour dire qu'il allait avoir un nouveau film uniquement sur Hulk et que ce film serait tiré du comics qui s'appelle Planet Hulk, qui avait déjà donné un film qui s'appelait comment ? Hulk. Planète Hulk, dommage. Et donc du coup, Planète Hulk, et en fait c'est grosso modo l'histoire de Hulk, où sur Terre tout le monde en a marre, il le balance dans l'espace, il s'énerve dans le vaisseau spatial, il le pète, il tombe sur une autre planète, qui est en fait une planète de gladiateurs,
il défonce tout le monde, il a un enfant, il se marie, il vit heureux, et après les gens veulent détruire cette planète. Et donc du coup, cette histoire de planète Hulk, que j'ai résumé vraiment pour faire simple, et le truc, c'est que, eh bien, tout simplement, donc ça c'est Iron Man, donc aucun rapport. Non, c'est planète Hulk. Oui, mais on a vu Iron Man quand même. Oui, bah, qu'est-ce qu'on peut, hein. Et donc c'est, là on vous montre évidemment dans quelques images de la version piratée sur YouTube, tout à fait légal, non c'est le trailer. Et tout ça pour en venir où ? Eh bien, Mark Ruffalo a dit qu'il n'allait sans doute pas jouer dans cette version et que cette version n'aura sans doute pas lieu. Ouais. Car c'est 100% Hulk qu'on voit et jamais Dr. Banner, Bruce Banner, donc la version humaine du Hulk. Et que c'était vraiment dommage parce que pour que les gens s'attachent à Hulk et qu'il y en ait un film, il fallait du Bruce Banner. Et voilà. Et bon, sous-entendu aussi, les mecs, vous êtes mignons, mais moi j'ai envie de jouer quand même, quoi. Sachant que cette version animée qui sort en 2013. Ouais, et qui n'est pas terrible. C'est pas un film que je retourne. Le graphisme, c'est dur, quoi. Non, mais c'est vraiment chiant à regarder. Voilà. Je déconseille cet anime, à moins que vous ayez regardé tous les animes de Marvel et que vous êtes fan comme des ouf. Et auquel cas, si vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent et que vous êtes à côté de votre lit en souffrance, peut-être. Ben, c'est tout. News suivante. Bah, news suivante, et vu qu'on voyait une petite série d'animation à l'écran, je vais rester sur les films d'animation en vous parlant du prochain Astérix qui va sortir. Et ce sera donc Astérix et le domaine des dieux, basé sur la bande dessinée du même nom, que j'avais d'ailleurs adoré, celle sur le domaine des dieux. C'est une le groupe M6. Je préfère des tomes. Voilà, donc ça, vous voyez un bout de l'émission FIFA par Brac, tous les mardis. et produite par M6, bon, ok. Donc voilà, et tout ça donc pour vous dire que qui a réalisé, ce n'est autre que Alexandre Astier, que vous devez sûrement connaître via Kaamelott, c'est en gros un joueur de CLAF 5 connu sur YouTube. Et le teaser est très court, plutôt intéressant, c'est rare qu'il fasse ça, c'est vraiment très très court, c'est une scène du truc, ça a l'air assez marrant. Et en plus, il y aura les voix de Elise Moon, d'Alain Chabat, de Laurent Deutsch, de Florence Foresti, de Laurent Lafitte, d'Alexandre Astier, de son frère, et j'en passe. C'est un casting assez fou pour les voix françaises. Ça a l'air vraiment sympa. En gros, le pitch, c'est que César se rend compte que ça ne sert à rien d'essayer de défoncer du Gaulois, parce qu'ils sont toujours plus forts. Et du coup, l'idée, c'est de leur montrer qu'on vit tellement mieux en tant que Romain qu'en tant que Gaulois, et que du coup, ils acceptent cette façon de vivre romaine. Ça, c'est pervers. Voilà. Et il est censé sortir le 26 novembre 2014 en France. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour cette news. Bah, écoutez, de rien. Je suis pas très fan, moi, de Astérix et Obélix. Les films, on est d'accord. Ouais. Les bandes dessinées, quand j'étais môme, c'était cool, mais les films... Les films, tu as celui de Chabat, Astérix et Obélix. Non, je parle des animes. Je parle juste des animes. Eh ben, je suis d'accord avec toi, parce que moi, j'adore les... Les vieux dessins animés. Justement, là, en fin d'année, j'ai montré un sur des animes à mes élèves. Tu sais, à Noël et tout. J'ai montré Astérix chez les Bretons à mes élèves, mais celui des années 80. Et en fait, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun rythme dedans. On s'ennuie énormément. Ouais. Alors que dans la BD, c'est pas le cas du tout. Eh bien, quelle est ta news, mon cher Kier ? Eh bien, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie aujourd'hui pour Gone Girl, le nouveau film de David Fincher, ce génie absolu qui est derrière Fight Club, The Social Network, et notamment l'adaptation américaine de Millennium. Et Gone Girl, c'est vraiment un film qui intrigue avec Ben Affleck dans le rôle principal et Rosamund Pike dans celui de sa femme. L'histoire, c'est quoi ? Rosamund Pike a disparu. Ben Affleck est suspect, parmi les suspects sur cette disparition inexpliquée. Et il y a toute une intrigue autour de ce mystère. Ça a l'air vraiment stylé. C'est vraiment du David Fincher. Je ne sais pas ce que vous pensez David Fincher, mais j'ai... Moi, une immense admiration pour ce réalisateur. Pour Fincher, oui. Enfin, le film qui, moi, m'a le plus sidéré, c'est quand même Social Network, qui est un de mes films préférés, alors que le sujet avait tout, mais tout pour me faire chier. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, j'en ai strictement rien à foutre. Non, mais le film mecs, en lui-même est fou. Il a fait Fight Club, point. Oui, voilà. Il a fait Fight Club, c'est bon. J'irai voir tous ses films jusqu'à la mort. Non, mais il a fait Fight Club et c'est un monument. C'est mon Fincher préféré, mais je trouve que celui qui m'a le plus impressionné, ça reste quand même Social Network parce qu'il partait pour moi avec un énorme désavantage. Plus que L'Armée des Douze Singes, plus que Benjamin Button. C'était Guilliam. Ah oui, ouais, c'était Guilliam. Plus que. Button. Plus que Benjamin Button. C'est un de ceux que j'ai moins apprécié de.
de David Fincher. Ah bah Seven, ouais. Il a fait Seven, oui, mais c'était, si, c'était le départ, bien évidemment. Il y a Brocolix mais... qui dit en regardant ce trailer, I am fucking Ben Affleck. Bah ouais, il est partout. C'est... Les gens le croyaient mort et au final, il est tout partout. Ouais, Ben Affleck, je trouve que c'est assez injuste. C'est assez injuste le traitement que l'on fait à Ben Affleck parce que il a fait Daredevil, c'est une grosse merde, on est tous d'accord. Il est revenu vraiment très bien avec les films qu'il a réalisés lui-même, donc The Town et puis Argo surtout. Oui, il est très bien dans Will Hunting aussi. Non, oui, mais ça c'est très vieux. Mais... Ouais. Et là, sous prétexte qu'il prend le costume de Batman, ça y est, c'est redevenu une persona non grata. Mais oui, parce une espèce de grosse merde américaine, je vois pas pourquoi. Bah parce que le seul film du genre qu'il avait déjà fait et sur lequel on se base pour avoir une référence, c'est peut-être un des pires films. Soit, mais il a quand même mûri, Ben Affleck, il a voyagé depuis. Il avait fait, donc, on l'oublie assez. Il a fait Argo quand même. Il a fait le fabuleux Pearl Harbor. Oui. Qui était vraiment un film où il était vraiment. C'était ouf la prestation. On était en pleurs. On était Il est dans Armageddon aussi. Il est dans Armageddon. Oui. Enfin, il a fait un nombre de films de fou. Mais voilà, alors, par exemple, le chat est extrêmement dur à l'encontre de Ben Affleck. Mais je suis désolé, dans Argo par exemple, il est excellent. Et Argo, c'était. Pour moi, c'est un putain de film. Il est bien, film, mais sans plus. Franchement. Ah non, moi je trouve que c'est un putain de film. Il y a pire que Daredevil, il y a Spawn. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Spawn est un film qui est loupé par plein des aspects, mais qui est très réussi par beaucoup d'autres. Ouais. Est-ce que tu as vu un seul film de super-héros où la cape est plus stylée que dans Spawn? Non. Non, mais tu n'as pas vu Spawn. J'ai pas vu Spawn. Franchement, c'est un des films les plus stylés. Et Spawn est un des héros les plus stylés, du manière générale. Et puis, il fallait quand même donner un rôle aussi important à John Leguizamo. Personne n'a fait. Eh bien, du coup, sur cet petit calembour que tout le monde n'a pas forcément compris. Mais non, mais c'est un acteur, John Leguizamo. Et dans Spawn, il a un rôle essentiel. Il y a pire que Daredevil, il y a Postal. Postal, c'était quoi ça? C'est Postal, c'est le c'est film Abstract avec... Qui dit. Oui, mais ça n'a pas plus vraiment de rapport, c'est avec Kevin Costner. C'est avec Kevin Costner, parce que c'est lui. C'était pour se remettre du beat de Waterworld, ils ont fait Postman. Donc, du coup, on enchaîne, petite news. Tout le budget dans la cape. Oui. C'est à toi, Cardel, ou c'est la mienne? Il me semble que c'est à toi. Eh bien, si c'est à moi, on va parler du scénario de Superman versus Batman, justement pour rester dans l'optique Ben Affleck. Il y a des photos de Superman, d'ailleurs, qui sont sorties. Et il y en a une qui est sortie, mais oh là là, je ne veux surtout pas la montrer, car elle est dans les news de Kerr. Non, vas-y, mais là, je t'ai dit que tu as donné. Et si on fait ça, c'est un peu comme si, vous savez, on pissait tous, et quand on croisait les flux, il peut se passer quelque chose de très mal. Donc, le scénario de Batman versus Superman, eh bien, il y a une rumeur très insistante sur Internet et qui dit que, visiblement, en ce moment, il y a des scénars qui ont fuité. Il y a beaucoup de petites infos à droite et tout qui sortent, et à droite à gauche. Et visiblement, en fait, ce serait Kevin Smith, qui donc est connu pour écrire des scénarios, etc., et qui notamment est connu pour avoir écrit surtout des scénarios, en fait. Voilà. C'est point barre. Il est producteur. Et aussi, il était il n'y a pas très longtemps sur le tournage, et c'est lui qui a vu et qui a commencé à commenter pour la première fois le costume de Ben Affleck. Et donc, cet ami Kevin Smith aurait été commandité pour écrire un scénario complètement fake. Et le truc... et du coup, je ne sais plus où je vais venir. Pardon, excusez-moi. Et donc, grosso modo, il écrit un faux scénario. Ils ont embauché des acteurs pour les débarquer avant le film, pour être sûr qu'il y aurait... Il y a Carou qui a mis le filet à l'antenne. Il n'y a pas de problème. On a vu que c'était bien vite du côté d'un de vous. Est-ce qu'ils ont eu le temps de voir? J'ai le filet dans les yeux. C'est une très bonne question. C'est pas vide. Et donc tout ça pour terminer, pour dire que là, ils sont passés au niveau d'au-dessus, pour être sûr que personne ne se fasse spoil par des leaks sur Internet. Ils payent un scénariste pour écrire un contre-scénario. C'est fou, quand même. Ils payent des acteurs pour ne jamais les faire jouer. Pour grosso modo les faire liker. Et genre, soi-disant. Le budget, il le trouve où pour ça? Il ampute le budget du film ou. T'inquiète. T'inquiète. Il n'y a pas de souci. Mais enfin bref, donc là, on est quand même dans un niveau supérieur. Et plus un à Penny Dreadful, oui. Et plus un à Jay et Silent Bob, pour ceux qui connaissent. C'est la caméra qui parle là, je pense. Qui connaissent notre ami Kevin Smith. Mais ça va loin là quand même. Mais montrez la photo. Non, je ne veux surtout pas.
marcher sur les plates-bandes de mon cher Guerre. Du coup, ouais, ça, je trouve ça assez fou quand même d'aller si loin. Mais c'est de la 100% de la manipulation, parce que c'est non seulement des acteurs, mais ils ont aussi... Alors, après tout ça, on ne sait pas si c'est complètement vrai, mais il y a, ils auraient embauché des extras, donc des figurants, pour que grosso modo, ils leur fassent des fausses infos en se disant « les figurants, ils vont leak et tout ». Et en fait, c'est du complet mastermind. Mais est-ce que ça a leaké au final, le faux On est abrégé d'infos, on a l'impression qu'il va y avoir toute la Justice League dedans. C'est fou. Peut-être qu'il y a beaucoup de trucs faux en fait. Ouais. Suspense. Non, complètement. Et peut-être même que c'est pas Ben Affleck qui va jouer au Batman. Oui, bah c'est possible. Peut-être que Ben Affleck joue Wonder Woman, on ne sait pas. Et peut-être que ce sera tout Flash contre Wonder peut-être Woman. Peut-être que c'est pas Ben Affleck qui fait et qui s'est pris des dizaines de monceaux de tonnes de caca pour rien. Et fait non, c'était pour un friend. Voilà, donc là c'est le premier trailer. Ouais. Les acteurs ont bien changé. Et accessoirement, c'est vraiment dommage que vous puissiez pas rester jusqu'au bout de cette vidéo. Mais c'est la version déclaration d'amour gay entre Batman et Superman que vous pouvez trouver sur YouTube et qui est assez marrante. Je n'ai pas mis le son pour On en est où? On en est à notre ami Cardel. Bah, c'est complètement stupide de ne pas montrer l'image de Batman. Je vais pas Non, ouais, nous ne marcherons pas sur les pieds de tes nous. Nous serons dans le respect et c'est tout. Tu n'auras que notre respect. Et alors, je vais complètement changer de sujet, moi, pour cette prochaine news. Je vous avais parlé, pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, d'un biopic sur Jimi Hendrix avec André 3000, ou André Benjamin, tout dépend comment vous voulez l'appeler, le chanteur d'Outkast, en tant que Jimi Hendrix dans ce biopic. Et ben ça y est, on a le premier trailer qu'on va d'ailleurs vous montrer. Il va sortir le 8 août en Angleterre. On n'a pas encore date de sortie française, mais logiquement, il devrait certainement arriver dans la foulée. On en sait aussi un peu plus sur l'histoire, en fait, sur quelle période va s'attacher ce biopic. Et il va s'attacher à la période 66-67 de Jimi Hendrix, c'est-à-dire absolument ses tout débuts, au moment où il avait lancé la Jimi Hendrix Experience et où il avait fait les premières parties de Johnny Hallyday, notamment. Mine de rien, c'est dans cette courte période-là qu'il a enregistré les chansons telles que Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cries Mary, donc quelques-uns de ses plus grands tubes. La ressemblance de André Benjamin avec Jimi Hendrix est assez impressionnante. Vous pourrez trouver des vidéos sur Google où il les compare. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait, le réalisateur de ce film-là est le scénariste de 12 Years a Slave. Donc ça n'augure que du bon. C'est lui qui a écrit et réalisé All Is By My Side. Oui, parce que le biopic va s'appeler All Is By My Side. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, il sort le 8 août en Angleterre. Et j'ai vraiment, vraiment très hâte. Il a l'air d'être dans la lignée de The Doors d'Oliver Stone. C'est-à-dire d'être très franc, un peu froid, un peu distant, mais tout en étant dans la vraie vie, dans la réalité de ce qu'ont vraiment vécu ces grands personnages du rock, du rock tout court. Ouais. Bah, je dois avouer un truc, c'est que le film me tente pas tant que ça, mais j'ai trouvé que ta news était vraiment bien faite. Ah, attends. Début à la fin, t'as eu un rythme impeccable. Attends, c'est... Non, mais, le film a laissé froid, alors ta news... Oh non. Mais écoute, merci beaucoup. Non, mais j'ai vraiment hâte, moi, qu'il sorte. Je suis assez fan de biopic. Tous les biopics, mes préférés, S Control sur Joy Division, The Doors, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Et voilà, donc j'ai hâte de voir celui sur Jimi Hendrix. Et si vous aimez la musique, je pense que c'est un... Rien que pour la musique qu'il va y avoir dedans, c'est un must-see, quoi. Il y a Hendrix sur le chat qui fait il a les mêmes cheveux quoi. Non mais en plus non pas du tout, je te pourrais pas voir. Là c'est non. Allez voir les photos sur YouTube, la bouche c'est exactement la même. Faut que vous alliez voir les photos, c'est assez impressionnant. Il a quel goût le boule de Cardel. I'm not sure. Ok. Et donc du coup, on passe à la news de notre ami Kerr. Je vais faire celle où j'ai pas besoin du PC. Mais je suis très curieux de voir la photo de Superman, là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il l'a mis en 8e news. On la verra ni en 7e, ni en 9e. On la verra en 8e news. Et il faut que ça s'arrête, hein. Cette dissidence Alors, de ce plateau. Là, j'aimerais vous montrer une bande-annonce d'un film qui a l'air vraiment très intéressant. Ça s'appelle The Disappearance of Eleanor Rigby. C'est un film réalisé par un nouveau réalisateur qui s'appelle Ned Benson. Et qui est très original dans le sens où il avait l'idée de présenter une histoire d'amour entre deux acteurs qui sont très appréciés actuellement à Hollywood, c'est-à-dire Jessica Chastain et James McAvoy.
Et en fait, l'histoire, c'est que c'est un couple qui s'aime. Et puis du jour au lendemain, la demoiselle disparaît. Elle s'en va, on ne sait pas pourquoi. Et on va dire une histoire d'amour finalement, somme toute classique au cinéma. Sauf que là, il y avait à l'origine deux films, c'est-à-dire l'histoire d'amour vue par James McAvoy, uniquement par lui, et l'histoire d'amour vue par Jessica Chastain. Le problème, c'est que c'est Harvey Weinstein qui a récupéré les droits d'exploitation de ce film. Et Harvey Weinstein a mis un énorme veto sur le montage. Il a dit qu'il n'y aurait pas deux films, mais un seul. Donc dans ce film-là, maintenant, où le montage ne regroupe finalement plus, regroupe les deux histoires, mais au sein du même film, on va donc suivre le parcours de Jessica Chastain d'un côté, puis le parcours de James McAvoy. À mon avis, ce sera les deux en même temps. Et les critiques qui sont sorties au moment de sa présentation à Cannes sont excellentes. C'est un film qui s'annonce très prometteur. J'ai pas la date de sortie, je crois qu'il n'y en a pas en France. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, mais ça va arriver puisque le film est soit sorti, soit va sortir très bientôt. Non, il sort à la rentrée en Angleterre. Donc ça a l'air vraiment bien, vraiment très bien. En tout cas, c'est original. Et les critiques ont dit que c'était le meilleur film de James McAvoy et de Jessica Chastain. C'est chaud parce qu'il en a fait des bons, hein, ouais, notre ami McAvoy. Ouais, ouais. Mais apparemment, celui-là, c'est aussi. On vous conseille Le Dernier Roi d'Écosse où il est vraiment excellent d'ailleurs. Je cherche un film où ça s'est déjà passé, où tu as d'abord le point de vue d'un personnage, ça existe hein, forcément. Oui, c'est Smoking, Not Smoking, un truc comme ça. Exact. Smoking or Not Smoking, il était sur... Ah, il y avait le film Smoking et No Smoking. Ouais, il y avait les deux. C'était la version où les mecs fumaient, la version oui, où ils fumaient pas. Oui, exact. C'est vrai? Ouais, c'est oui, génial. Et ça, du coup, ça a changé toute leur vie, etc. Moi, j'ai hâte de le voir, ce film. Ouais. J'ai moi, de toutes les manières, j'ai un truc chelou avec James McAvoy. Je vois tous ses films, quasiment. J'essaye, en tout cas. J'aime vraiment bien cet acteur. T'en as pensé quoi de Trans? Bah, j'ai trouvé que c'était pas très réussi, mais ouais, que James McAvoy était très sympa dedans. Mais je suis pas fan. Non, il est pas terrible. J'ai pas trouvé ça incroyable. En fait, grosso modo, c'est typique. Le genre de film où t'as l'impression que le scénariste est paumé avant la fin. Ouais. Et que le début est bien, que la fin, pourquoi pas, mais qu'il y a un moment, il s'est juste paumé dans son histoire. Mais ce n'est pas ça le point de l'émission. Donc du coup, news. C'est une news, monsieur Bigby. Ouais, j'ai une news, monsieur. Bon, vas-y. Je suis dans la news. Alors, j'ai des petites images truquées, enfin, sans trucage, des Gardiens de la Galaxie. Et du coup, je trouvais ça sympa. Et donc, c'est les deux news qui vont s'afficher maintenant, évidemment, sans le support graphique. Cette news a beaucoup moins d'intérêt. Mais d'ailleurs, j'ai complètement oublié de la mettre dans les assets. Donc, si elles sont pas dans les assets. Non, je l'ai mis du côté du DDR 2. Ah, mais c'est donc pas des images. Si, c'est si, tout à fait peux, une image. Tu peux mettre des images dans le DDR 2. Tout à fait. Et d'ailleurs, Kaoru, si, parce que j'ai complètement oublié, si tu pouvais trouver un trailer des Gardiens de la Galaxie, parce que là, ils sont en train de faire une sorte de com qui est assez sympathique. Voilà. Ils ont fait un faux trailer comme si c'était une agence de voyage intergalactique qui disait alors, au lieu d'aller à Tahiti, à Hawaï, c'est de la merde, faites comme les Gardiens de la Galaxie, allez vous balader partout. Et donc là, vraiment sympa. On voit à l'image Rocket, donc le raton laveur très armé. Et du coup, on se rend compte que, il a fallu avoir une très grosse dose. Que c'était un vrai raton laveur. Non, mais il a vraiment fallu une très grosse dose de confiance dans le réalisateur. Parce que ça avait vraiment l'air ridicule sur le tournage. Ouais. Et on peut voir une deuxième image. Ah, voilà. Et donc là, on peut voir Groot. Voilà. Et donc, en fait, c'est qui a été interprété en fait, sur le plateau par le Blue Man Group, qui faisait un peu de musique, un peu, tu sais, un peu ambiance électro entre les prises, et qui, entre les deux, jouait Groot. Voilà. En tout cas, les trucages ne cesseront de nous surprendre. Un trucage de fort belle qualité. Tout à fait. Et donc, nous repassons à une news de Kerr. Déjà ? Non, de Cardel, je ouais, crois. De ouais. Ah bon ? Ouais, ça tourne comme ça. Et ben... Ah, alors que vous voyez le chat. Ah, ben voilà, c'est exactement le trailer dont je parlais des Gardiens de la Galaxie. Avec le chat, hein, qui... Ils ont balancé ça. C'est possible. Bon, vous l'aurez en petit, c'est pas grave. Et donc, oui, ils ont fait... Alors, est-ce que c'est bien celui-là ?
Oui, c'est celui-là. Ils ont fait donc une fausse pub pour une agence de voyage intergalactique. Faut clairement que vous l'écoutiez avec le son, par contre. Il faut le son, il faut tout, c'est le bordel ici. Mais voilà, en gros, c'est ça le résumé. C'est au lieu d'aller sur Hawaï, à Tahiti ou aux Bahamas, aller dans la galaxie avec les gardiens, c'est bien plus sympa. Explore ancient ruins. Ça fait un peu penser la voix au trailer de Black Mirror. More. Explore. More. Franchement, je commence à y croire. Je sais pas pourquoi. Il y a rien qui me pousse à y croire, mais je commence à y croire. Moi, je sens que je vais m'éclater. C'est le seul film vraiment qui me botte cet été. Hein. Bah, c'est plus ou moins le seul gros film de l'été. Il bah, y a Transformers 4, mais bon, on en parlera juste après. Ok. Jurassic Park. Jurassic. Attends, comment on pourrait l'appeler? Jurassic Pacific Rim, Transformers 4. Ouais, et l'autre, c'est quand même La planète des singes, l'affrontement. Celui-là, il peut bien rester où il est. Ça s'appelle. Non, c'est pas l'affrontement final. C'est ça s'appelle Planète des singes, attention, c'est un. Attention, ce n'est pas forcément mon frère. Ouais, et, mais c'est vrai que cet été, c'était un peu tristouné, les sorties ciné. Enfin, voilà. Mais du coup, il y a plein de cinémas en plein air, et notamment au bassin de la Villette, pour ceux qui habitent à Paris, et c'est l'occasion d'aller revoir des films. Je sais qu'il y a Lolita qui passe de Stanley Kubrick, tu as une belle programmation cette année au cinéma en plein air du bassin de la Villette. Et sinon, moi, Manu, j'avais envie de vous parler de Bill Murray. Et je sais que tu aimes bien Bill Murray. Ouais, j'aime bien Bill Murray. C'est comme, moi aussi, comme beaucoup d'acteurs, je suis fan. Ces films, j'aime pas, mais je suis fan. Eh ben, il revient. Il revient au cinéma dans un film d'un mec qui s'appelle Théodore Melfi. Ah, mais il est super connu, Théodore Melfi. Peut-être. Voilà. J'ai regardé un peu ce qu'il avait fait, il n'est pas non plus des masses connues, je crois. Bah, enfin, j'ai pas trop fait gaffe, son nom ne me disait rien en tout cas, mais je n'ai pas la science. Quand IMDB le connaît pas, c'est généralement qu'il n'est pas très connu. Ça, oui, voilà. Ça. Et en gros, il revient dans un prochain film qui va s'appeler Saint-Vincent, c'est donc l'acteur principal. On pourra aussi retrouver Naomi Watts et Melissa McCarthy. Attends, je sais pas si c'est un troll, mais il y a Smallville qui demande si Bill Murray est encore en vie. Il est encore en vie. Non mais les gars, il y aura une minute de silence dans Culte et Clique quand on aura Bill Murray. Non, mais ce ne sera pas une minute de silence, ça sera 15 minutes où on pleure tous ensemble. Et alors, ça a l'air très sympa. En gros, c'est l'histoire d'un mec odieux joué par Bill Murray, alcoolique, misanthrope, enfin, la personne que tu n'as pas trop envie d'avoir dans ton entourage. Et manque de bol, il y a des gens qui s'installent à côté de chez lui. Ces gens-là, ce sont donc Melissa McCarthy. Je ne sais plus le rôle qu'elle interprète, mais bref, elle interprète une femme qui a un gamin, père divorcé, donc le père est absent, et le gamin se retrouve très souvent seul à la maison. Et du coup, c'est Bill Murray qui va devoir s'occuper de ce gamin, et ça a l'air d'être une histoire d'amitié entre ces deux, deux personnes qui n'ont pas forcément énormément d'amis, de tous les opposent, et pourtant ils vont se retrouver, et ça a l'air plutôt marrant, hein. Ouais. Juste pour Bill Murray, j'irai le voir. Il va... Et en plus, il a eu un très très petit budget, on en parlait tout à l'heure, 13 millions de dollars. Bon, pour ce genre de film, c'est, on va dire, classique, mais c'est pas un gros budget comparé aux grosses productions américaines. Et pourtant, il a l'air assez bien foutu. Ouais. Il y a des plans qui, dans cette bande-annonce, ont l'air bien sympas. Voilà, à mon avis, ça va pas casser trois pattes à un canard, mais ça... Peut-être que ça sera un truc. Dans tous les cas, on est d'accord, on a dit Bill Murray, tout le reste, on s'en fout. Oui, enfin, voilà. Mais c'est juste pour ça, en plus, que j'avais envie de parler de ce film, c'est parce que Bill Murray revient en tant qu'acteur principal. C'est vrai que c'est le scénario de Gran Torino, comme le dit le chat, la manière dont tu l'as présenté. C'est vrai. Ou un remake de Là-haut sans les ballons, peut-être. Oui, aussi. Un remake de Là-haut sans les ballons, c'est marrant. Ouais. Mais on n'a pas encore de date de sortie, malheureusement. Et Hans qui dit 13 millions de petit budget, eh bah ouais, c'est ça d'être dans le cinéma business, boy. Un film indé aux US, c'est 13 millions de dollars minimum. Ouais. En France, un gros budget, c'est 2 millions d'euros. Pour plus belle la vie. Okay, et si on enchaînait avec un petit film justement et petit budget, puisqu'on va parler de Transformers 4 qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Pour sa première semaine d'exploitation sur le sol américain, il a fait plus de 130 millions de dollars, ce qui était absolument énorme, c'est le plus gros démarrage de l'année. Comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure... Il y a une petite approximation dans ton calcul. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Bigby, du coup on peut assez facilement penser qu'il va dépasser le milliard de recettes au box-office mondial en fin de carrière. Sauf qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier avec Transformers 4. Alors pour ceux qui suivent un petit peu
le monde des Transformers. Je les ai tous regardés ce week-end. C'est vrai. J'avais jamais vu. Ouais, les trois avec la comédienne Florence Mercier. Très bien. T'as souffert? J'ai pas souffert sur le 1 parce que bonne découverte, le son sympa, des trucs que j'avais jamais vu, c'était marrant à regarder. J'ai un peu plus souffert sur le 2, mais alors le 3, j'ai complètement eu le cerveau qui a explosé parce qu'il n'y a pas de scénar, c'est incohérent complet. Voilà. Le problème de Transformers, c'est que Michael Bay avait promis finalement un reboot après le 3. Donc au départ, ça devait être Jason Statham qui devait jouer le rôle principal de Transformers 4. J'ai du mal. Au final, c'est Mark Wahlberg qui reprend le rôle de Shia LaBeouf, en tout cas le rôle principal du film. Est-ce qu'ils vont faire comme pour Megan Fox et Rosie Huntington-Whiteley, c'est-à-dire qu'ils ne t'expliquent pas d'où ça pop? Ça pop juste, elle est là. Ah non, mais en fait, dégagée, là, c'est plus du tout la même histoire. C'est-à-dire que les personnages des trois premiers, on les squeeze complètement et on met les Transformers avec d'autres humains. C'est le scénario au milieu de tout. Voilà. Et donc, c'est un préquel, hein, ou c'est juste. Non, hein, on s'en bat les couilles. C'est un reboot. Il y a des dinosaures, mec. On s'en bat les couilles. Okay, et alors, le truc qui est intéressant à noter, c'est que Michael Bay avait promis que ce reboot allait remettre sur le droit chemin Transformers. Et au final, toutes les critiques américaines ont littéralement descendu le film, encore plus que les trois premiers. Et même le public a descendu Transformers 4. Il est à 30 et des brouettes sur Metacritic. Et il n'empêche que c'est un démarrage de taré. Sauf que, donc du coup, les fans de Transformers ont parlé cette semaine de haters pour ceux qui critiquaient Transformers et c'est aussi un mot qu'a repris Michael Bay. Il a dit mais de toute façon ceux qui n'aiment pas Transformers sont juste des haters qui par principe n'aiment pas le film. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que par principe ils n'aiment pas le film. Le problème c'est qu'on voit que le bouche à oreille absolument catastrophique de Transformers envoie le 4 dans le mur puisque pour sa deuxième semaine d'exploitation il a fait 36 millions de dollars au box office, donc il a perdu 100 millions en une semaine. Juste avant de préciser et de mettre un cadre plus sérieux à ta news, on voulait dire que Akejoni qui dit « J'ai l'impression que quand on vous pose des questions, vous ne regardez pas. » Mais si, on te regarde, mais pose une question, enfin. On les voit pas toutes passer, effectivement. J'ai vu pas mal de questions sur les VOD. Et VOD qui devrait enfin sortir cette semaine. Mais si quelqu'un vous dit qu'on vous l'a dit, ça vient pas de moi. Elle devrait sortir. Tech06 sur Twitter. Où sont les VOD de Cult & Click? Peut-être qu'il les sortira un peu plus vite. Il y a Neyjack qui dit que c'est pas un reboot si ça s'appelle Transformers 4. On envoie tout de suite ton message à Michael Bay et on lui dit d'arrêter de dire que c'est un reboot. Il n'y a pas de souci, tu arrêtes. Mais il y a combien de budget? Tu nous as dit que c'était une suite du 3 vraiment, mais juste que les mais c'est une pas de, non, mais de c'est rapport. Une suite toujours dans l'idée que voilà les Transformers aide les humains, mais ça n'est plus du tout, ça ne sont plus du tout les mêmes personnages. C'est pas hop, on découvre les Transformers. C'est une suite chronologique, mais ils ont changé les personnages. Voilà, ils ont viré tous les personnages. Alors moi, je vais juste répondre à la question de quel était le budget du film. Parce que tu parles, aucune idée, tu parles de 134 millions de dollars. Tu nous asperges comme ça de ta money, tu vois, en faisant des jets de billets le à visage. Budget, je crois. Et il est de 218 millions de dollars, mais ce n'est qu'une estimation puisqu'il n'y a pas de chiffre officiel. C'est 220, je crois. Et c'est 220 millions le budget de Transformers. Je dis 218 millions de dollars, le budget non officiel. Ah, j'avais pas entendu. Et toi, tu dis 2. Ouais, mais c'est 220. Mais comme tout à l'heure, tu l'as dit, je comprenais et pas du coup, que tu le dises non, pas. Je préfère donner des chiffres précis. Oui. Tu préfères donner l'info, je serai précis. Voilà, 213. 90 millions de dollars en 3 jours sur le marché chinois, versus 220 millions pour Avatar. Le film est en train de casser les pattes de à peu près tous les films en termes de démarrage. Alors certes, la critique étant tellement mauvaise, il risque de se péter la gueule. Mais ça veut dire que tu fais un film comme un Transformers, minimum, tu gagnes deux fois, tu mets un dollar, tu gagnes 2 dollars. Minimum. Et genre si c'est un succès, tu es à un milliard, tu mets un dollar, tu en mets 5. Si les gens achètent autant Transformers, le fait d'aller le voir, et bien sûr qu'ils vont nous en faire 40, quoi. Bah oui, oui, j'ai pas eu le contraire. Là, je parlais juste de sa qualité, en fait. Mais là, Transformers avec Mark Wahlberg, ils sont repartis pour une trilogie. Hein. Ils l'ont dit. Hein. Enfin, il y aura le 5 et le 6. Bon, si ça marche et qu'ils ont un public... Il sort mercredi, d'ailleurs, je crois. Alors, soit c'est mercredi-là, soit c'est... C'est peut-être pas mercredi-là. La raison officielle pour laquelle il aurait été décalé en Europe, c'est pour la Coupe du Monde. Il voulait vraiment attendre qu'il y ait le maximum de personnes. T'as raison. Ouais. Possible. Marrant. Et en Arménie, et
attention, les mots vont sortir dans le bon ordre. Et en Amérique latine aussi. Ok. Ah. Et il y a un très gros film qui est sorti pendant une Coupe du Monde. Alors quand je dis très gros, c'est parce que quand il est sorti, c'était probablement un des plus gros budgets, un des plus gros films spectaculaires qui ait eu lieu à l'époque. C'était Armageddon, en 98, quand il est sorti. C'était en plein pendant la Coupe du Monde. Et quand la Coupe du Monde s'est enfin terminée, Armageddon était déjà sorti depuis quelques semaines, ils ont fait une énorme campagne de pub avec des affiches partout dans les villes où, c'est, où on voyait la tête de Bruce Willis, de Ben Affleck et de Liv Tyler, où c'était marqué et 1, et 2, et 3 millions et avec Armageddon. Voilà. Ils ont rebondi sur la Coupe du Monde. Quelle belle histoire. Ouais. Moi, je n'ai plus de news ciné. Ah bon ? Non. Eh bien, on va balancer. On va balancer. Fais chauffer. Toi, t'en as encore une. Je balance après. Magnifique. Du cinéma 4K, non, 4D, pas 4K. Mais oui, je peux vous parler du cinéma 4D, mais ça va être très succinct. Il y a le premier cinéma 4D qui a ouvert à Los Angeles. C'est quoi de la 4D? Et en fait, la 4D, c'est qu'en plus d'avoir le visuel, vous pouvez aussi vous choper de la salive en plein visage si quelqu'un dans le film crache sur quelqu'un d'autre. Vous le sentirez. En fait, c'est ça, et tu as un système de jet d'eau, d'air, d'odeur aussi. Ils ont ouvert ça à Los Angeles. Je viens d'avoir une idée absolument immonde. Et voilà, qu'est-ce qu'est le cinéma 4D? C'est-à-dire que si jamais tu regardes un film de zombies, bah, tu as des odeurs de corps en putréfaction. Voilà, non, mais ça, je pense que c'est quand même ça va pas, être à ce pas mal de la merde. Et le truc, c'est que. Non, mais parce qu'en fait, il y a des trucs au Futuroscope. Oui. Où la 4D, en fait, c'est que ton siège est un énorme vibreur. Mais tu reçois de l'eau aussi dans la tête. Ouais. Il y avait ça pour. Mais non, mais t'es allé au spectacle de Malcolm Young. C'est pas un cinéma. C'est grosso modo, c'est t'as ton fauteuil qui bascule et tout, genre avec l'écran, etc. etc. Et bien là, en fait, ce sera un cinéma avec odeur, sensation et vent dans ta tête, de l'eau projetée sur toi. Voilà, le premier ouvre à Los Angeles cette année. Porno oblige, dit Big Bang Theory. Ok. Donc voilà, c'était la petite news que je voulais vous faire. Je l'avais skippé. Mais on va se faire un cinéma 4D tout à l'heure ensemble. Ok, donc voilà, je ne sais que rajouter. Merci pour cette news précise. À toi donc. C'est sûr que si tu vas avoir tempête de boulettes géantes, ça peut être sympa. Ah, l'attaque de la moussaka géante, ça doit être un film. Faut y aller couvert. Si on t'envoie de la bouffe et tout. Ouais. Bref, la grosse. Imagine All Alone. Tu vois le film là où il parle pas, où c'est que de l'eau, bah tu te reçois de l'eau sur la gueule pendant toute le. All is lost. All is lost ou All Alone? All is lost, avec Robert Redford. All is lost. Ok, bah All is lost. Je vous avais raconté que ça a été un de mes plus grands flips au cinéma de toute ma vie. Oui, oui, tu m'as même appris. Je me suis retrouvé tout seul. Pendant que tu y étais pour me dire, Kerr, je suis tout seul dans la salle, c'est un truc de ouf. Mais dans un multiplex énorme. Le film. Tu m'as J'étais dans un multiplex énorme et le film qui ne parle pas, t'as genre deux mots au début du film et t'es seul. T'es seul dans cette immense salle avec des petites ombres au sol, tu vois, de l'eau qui taquine, etc., etc. Au début, tu regardes le film, après, tu te dis si un jour les démons existaient, si les démons existaient sur Terre, c'est là maintenant, tu vois. Si des êtres obscurs existaient, c'est là maintenant qu'elle viendrait choper. Le mec est tout seul dans un putain de cinéma. Enfin, bref. Combien vous reste-t-il de news ciné, messieurs? Parce que moi, je vous propose de faire une petite pause. Non, moi je finis les, on finit les news ciné. Et la news box-office assez intéressante concerne le film Maléfique de Disney, puisqu'il est sorti, je l'avais expliqué la semaine dernière, coincé entre les mastodontes, enfin juste après, pas coincé, mais juste après X-Men, Godzilla, Spider-Man qui devait ravager le box-office. Au final, c'est ce film-là qu'on n'attendait pas qui s'en sort le mieux. Maléfique vient de dépasser les 600 millions de dollars de box-office mondial avec Angelina Jolie. C'est de très très loin le film avec Angelina Jolie qui a rapporté le plus de thunes. C'est le deuxième... Non, il est dans le top 20 des plus gros succès de Disney, tout confondu. Et c'est le deuxième plus gros démarrage de l'année. Me demandez pas qui est le premier, je sais pas. Je sais pas. Eh bien... Je ne sais pas non plus, donc on va enchaîner. Soit c'est Captain America, soit c'est Godzilla. Alors attends, je vais te dire. Soit c'est X-Men. Godzilla, 93,2 millions. Mais non, mais c'est Transformers. Non, démarrage, les plus gros chiffres de l'année. Je n'ai pas l'info, je ne peux pas savoir tout. Enfin. En tout cas, c'est un énorme carton pour ce film qui devrait assez logiquement avoir une suite.
Bon, je vais essayer d'enchaîner mes deux news. Et j'ai essayé de rester dans votre logique de film à gros budget. Vous êtes des américanophiles. Donc, voilà, le nouveau film de Woody Allen, qui sort donc le 22 octobre, comme disent les jeunes, et qui s'appelle donc Magic in the Moonlight. Ou le 10-22, comme disent les Américains. Américains, voilà. Toujours l'américanophile, le dollar. Je pèse dans le monde du cinéma business. Donc du coup, pourquoi je vous parle de ce film? Parce que Blue Valentine était quand même un très très bon Woody Allen, j'ai trouvé, qu'il est sur plutôt une bonne lancée, et que celui-là, il avait tellement envie de le faire qu'il n'a même pas attendu que son film soit en salle, que Blue Valentine soit en salle, pour commencer à le tourner. Et ça se passe dans le sud de la France. On n'en sait pas. Alors c'est un Anglais qui va trouver, qui va essayer de partir dans une enquête pour trouver un escroc, etc. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout, c'est un Woody Allen, et déjà en ça, on sait qu'il va y avoir un petit truc sympa. News numéro 2, je reste sur des gros budgets, des killer movies, etc. pour vous parler donc de ce film que tout le monde a vu. En tout cas, tout le monde a vu un extrait de ce film. C'est peut-être un des plus gros succès de notre génération. Et oui, je parle du film La Chute, fait par Olivier Hirschbiegel, que vous connaissez tous pour cette réplique. Nine. Maintes fois parodié d'ailleurs, ben voilà, qu'on voit à l'antenne. Nine. Ok. Donc, ce très gros succès musical. Et donc, ce cher Olivier Hirschbiegel est très attendu, tu vois, parce que tout le monde se dit, mais quel va être le mème des 10 prochaines années? Eh bien, il a la réponse, et ça restera sur la même thématique, car il va refaire un film donc sur Hitler et sur la chute 2. Et c'est sur avant, en fait, c'est sur une tentative de complot contre Hitler en 1939. Dans un cinéma, sur quoi s'est basé Tarantino Non, c'est encore un autre. Mais c'est encore une autre tentative. C'est pareil que Valkyrie. Non, c'est encore une autre tentative. D'accord. Il y a eu plein de tentatives, mais c'est la bonne. Chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à Scrubs. Ça vous dit un truc? Quand il essaye de parler avec des Allemands et qu'il se dit ce serait tellement plus simple si pour se parler avec, pour parler avec des Allemands, on pouvait juste parler grâce à cette chanson. Ouais. Tu vois. Et donc du coup, je me suis dit qu'on serait à peu près au bout d'une heure et demie d'émission à ce niveau-là. Et donc, bien, laissons-nous partir en pub musicale. Ouais. Et à tout de suite. À tout de suite pour les séries. À tout de suite. Et 999 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pas le bourrin. Et ouais, on s'y attendait pas. Et pourtant, on est de retour. Et du coup, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Exactement. Comme dirait la Team Rocket. On va parler de séries télé. Et la première news série qu'on peut quand même qu'on peut faire, c'est bien évidemment là le retour de Community pour une saison 6. On vous avait dit il y a 15 jours que ça sentait le mois d'août hein, pour Community, puisque... Moi, je vous avais dit qu'ils nous font ça à chaque saison, oui, et que mais de toute façon, là, ça allait revenir. Après l'annulation de la série par NBC, Hulu avait essayé de récupérer la série, en tout cas, il avait négocié avec Sony Pictures, qui a les droits de la série. Au final, ça ne s'était pas fait. Et grosse surprise du chef, cette semaine, je crois que c'est 8 heures avant la fin définitive des contrats des acteurs, donc ils allaient être libérés parce qu'il y avait... Attention, pas... cool. Il y a Sid sur le chat qui ne connaît pas la série Community. Cool. Eh bien, je t'invite à regarder cette série et à revenir sur l'émission, on sera sans doute encore en live. Regarde, tu peux te mater une saison, on quitte pas l'antenne, on est là jusqu'à cette nuit, et tard. Faut juste pas que tu te bases sur le premier épisode qui pour moi était oui, assez voilà. raté. 3-4, et puis... non, il est pas très... Voilà. Okay. On te laisse continuer, pardon. Donc, ce que je disais, c'est que quelques heures avant la fin des contrats des acteurs, c'est Yahoo qui a annoncé qu'ils allaient finalement financer une saison 6 de 13 épisodes qui sera diffusée sur Yahoo Screen, qui est une plateforme de partage de vidéos de Yahoo. Donc, pour lancer leur plateforme, ils ont décidé d'investir dans Community. C'est un très bon move, hein, parce que Community a certes une audience de merde, mais en tout cas une très grosse popularité, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que quand il y a eu l'annonce d'une saison 6 de Community sur Yahoo, il y a eu un énorme buzz sur les réseaux sociaux, le coup était vraiment réussi. Il y a même des sites qui ont dit que c'était un des buzz séries les plus importants de l'année, juste derrière Game of Thrones. Donc vraiment, gros coup de Yahoo.
une saison 6 maintenant pour que la prophétie d'Abed se réalise. Il ne manque qu'un film. Mais c'est d'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, non, qu'ils prévoyaient de faire un film de toute façon après la saison. C'est que grosso modo, il y a des rumeurs, il y en a plein qui veulent continuer, et j'ai envie de dire, du moment que Veronica Mars a réussi à avoir un budget crowdfundé pour faire un film, oui, tout est possible. Sur Community, je pense qu'ils l'auront facilement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'actrice qui joue Brita, qui s'appelle Gillian Jacobs, a signé pour jouer dans Girls la prochaine saison, mais elle a annoncé aussi qu'elle reviendrait dans Community. Girls, qui est la série de Lena Dunham, qui est pas mal d'ailleurs. Et qui a une énorme cote de popularité aux US. Elle est vraiment considérée comme une série culte là-bas. Il y a Tricom qui dit « Parler de films sur JVC, c'est comme parler de jeux vidéo sur Allociné ». Et oui, et ça tombe bien parce qu'il y a des news jeux vidéo sur Allociné, notamment une très belle couverture de l'E3 qu'on vous invite à aller voir. Ouais. Donc au final, tu dis quelque chose de tout à fait juste, Tricom. Ouais, on est à fond derrière toi. Et paf. Et donc à toi, notre ami Cardel. Alors moi, je n'ai qu'une seule news. Je cherche mon bloc-notes d'ailleurs, mes notes. Où sont-elles? Elles ne sont plus là. Et tu voulais parler de Sarah Schalk, je tout crois. Tout à fait. Et c'est donc Sarah Schalk qui est, pour ceux qui regardent Scrubs, Elliot Reed. Dans Scrubs, Elliot Reed. Elle est aussi apparue dans Elle a les fesses comme une pastèque en été. C'est ce qu'il dit la première fois qu'il voit ses fesses. Elle a les fesses comme une pastèque en été. Et ça tombe très bien, parce que sur le chat, les gens commencent à demander du carver. Ah ben voilà. Suffit de donner un petit nom obscur d'actrice de seconde zone. Non, tout à fait. Et donc voilà, elle avait aussi joué dans How I Met. C'est la demoiselle que vous voyez à l'écran. Affreuse dans How I Met. Tu sais que j'ai arrêté How I Met à l'épisode où elle arrive dedans. À cause d'elle. Pas forcément, un peu quand même. J'ai vu sa tête, donc j'arrête. J'ai fait, vas-y, non. Non, parce qu'en plus, je l'aime beaucoup dans Scrubs, mais j'aime de toute façon tous les personnages de Scrubs. Et donc, elle revient pour une série, j'ai pas mes notes, mais il me semble que c'est une série NBC qui s'appelle Backstorm, qui va en gros être l'histoire, elle sort en 2015, ça va, une histoire déjà éculée 10 000 fois, mais c'est l'histoire d'un flic qui dit toujours ce qu'il pense, un peu chiant, un peu relou, mais voilà. Et donc elle va apparaître là-dedans. Pour avoir vu le trailer, d'ailleurs, normalement je pense que t'as le trailer KO, ça a l'air plutôt sympa. Je me rappelle plus du nom de l'acteur principal, Rain quelque chose. Si on voit le pilote, le trailer... Qu'ai-je fait de mes notes? Mais mes notes sont là, mais c'est formidable, merci. Pendant que l'assistante du magicien lui met ses notes. Backstorm, Nico ? C'est Backstorm, tout à fait. Mais il s'est planté sur rien du tout depuis tout à l'heure. Tout était juste. Et en fait, j'ai juste mis Rain comme nom, donc je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, désolé. Et en fait, c'est par les créateurs de Bones. Oula ! Oui. Mais ça a l'air sympa, d'après le trailer. Ça a l'air moins fandard, quand même, que Scrubs. Ah oui, bien sûr, rien à voir. Non, c'est juste l'actrice qui joue dans les deux, sinon absolument rien à voir. Mais t'es sûr que c'est de la même série ? Que c'est la même série de... C'est Sarah Schalk va jouer dans cette série-là ? Oui, elle est annoncée, apparemment, elle vient rejoindre le casting. C'est le mec de The Office ? Lui, c'est le mec de The Office, exactement, voilà. The Office US, la version anglaise, la version américaine. Ouais. Il a réalisé plusieurs saisons, il me semble la 5, la 6 et la 7, un truc comme ça. J'aime bien ce mec, d'ailleurs. Et c'est une série que j'essaierai de mater, pourquoi pas. Elle sort en 2015, donc on a le temps. Ouais. C'est intéressant. À toi, Bibi. Moi, j'ai peur de faire cette news. Vas-y, fais-la. Eh bien, je vais en parler. Un grand acteur va... Il y a eu beaucoup de très grands acteurs qui sont arrivés dans des séries cette année. Si je t'en demandais un, tu me dirais... McConaughey. Voilà, on dirait tout ça. Bah, j'aurais dit McConaughey aussi, mais du coup, je vais dire Woody Harrelson. Voilà. Will Schreiber. Kevin Spacey. Les noms coulent à flot, et bien de la David même Bryan Cranston, mais et de la ouais, et bien de la même manière, il y a Brandon Routh qui va arriver dans la série Arrow. Mais Brandon Routh, attends, c'est pas le mec de Superman ? Eh bien, Brandon Routh, c'est Superman Returns. Oh. Et oui, un acteur de ce calibre. Mais il est blond. Un acteur de cette qualité. Et j'ai envie de dire, voilà. Mais Brandon voilà, n'est pas Routh. Qualité, les mecs. Eh bien, il sera donc dans la série Arrow, et j'ai envie de dire, les chiens ne font pas des chats, cette série a gagné en qualité direct. Et il y aura aussi Peter Stormare, qui est le russe dans Armageddon, qui est aussi dans Le Monde Perdu, qui est dans Prison Break, enfin voilà, Peter Stormare.
Non, mais on est sur un va jouer niveau. Dans un rôle également. Et donc, qu'est-ce que va jouer Brandon Routh? Eh bien, si tu peux remettre l'image d'avant, mon cher Caro, il va jouer The Atom, qui est un super-héros qui peut devenir tout petit et très, très grand. Voilà. Ce qui, en fait, grosso modo, c'est la version Marvel de... C'est la version DC de Marvel Ant-Man. Et voilà. Et en tout cas, donc, les jeunes ont... Les personnes du chat ont su être séduites par Brandon Routh à de bien belles raisons. Est-ce que Big B est censored? Non, en fait, je pense que ça va être Big B is a bitch. Or... Are you a bitch? Big? Je ne sais pas ce que tu voulais dire, Tech, mais bonjour à toi. Et dans combien de saisons penses-tu que Arrow va finir demande 99 balloons? Eh ben, on n'en sait rien. Hein. C'est vrai, après tout, on n'en sait rien. De quoi? De pardon? Ben, combien de saisons? Combien de temps va durer Arrow? Vas-y, fais une regarde dans ta boule. Bah, j'ai envie de dire, Smallville, je la voyais pas durer très longtemps, ça fait 10 saisons. Donc, je lui vois bien 7 ou 8 saisons, hein, notre ami Arrow. Et on nous demande un point Paul Walker. Eh ben, il y aura une news, un tout petit peu plus tard, mais nous n'en parlons pas pour l'instant. Il y aura un point Paul Walker. Alors qu'on demande sur le chat si on a vu The Leftovers. Moi, je l'ai vu et je pourrais en parler, mais pas maintenant. Non, attention, la news The Leftovers, on l'a juste après. Oui. D'abord Sherlock, s'il te plaît. Oui. La news qui fait plaisir, c'est bien évidemment que BBC a annoncé... a donné des informations sur la saison 4 de Sherlock. On savait qu'elle allait revenir, on savait également qu'il y aurait un épisode de transition. M'intéresse. Attends, mais on n'avait pas... Parce que j'ai pas vu cette news. Ah. Et on n'avait pas de date. Et ben maintenant, on l'a. On sait que le début du tournage de cet épisode spécial de Sherlock, ça va être début 2015. Et le tournage de la saison 4 sera fin 2015. C'est donc une bonne nouvelle, ça veut dire que cette fois c'est daté. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre un sacré moment avant de pouvoir regarder du Sherlock. L'épisode spécial, à mon avis, devrait arriver au courant de l'automne ou de la fin de l'année 2015. Et donc la saison 4, logiquement, serait diffusée, si on s'en tient un peu au calendrier de la BBC, pour janvier 2016, qui serait logique, puisque c'est souvent comme ça, c'est deux ans entre les saisons. Donc Sherlock, c'est sûr, ça continue, toujours avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc c'est plutôt cool. C'est une nouvelle qu'elle est bonne. Ah oui, c'est une super nouvelle. J'ai tellement hâte que ça recommence, Sherlock. Ouais. Je crois que c'est la série qui me manque le plus, là. Non, c'est Newsroom. Ça me fait plaisir que tu me dises. Je suis captivé par Sherlock. Sherlock, ça reste quand même au-dessus. Sherlock, c'est ouf, mais s'il fallait, là, on rentre... C'est là, pas qu'on est après l'émission matin, un épisode, c'est Newsroom que j'ai envie de voir. Où il n'y a pas de... Tu vois, comme t'as pas de cadre, j'ai déplacé le décor. Tout seul, c'est ça. Alors, forcément, je suis dans le cadre. Ou à House of Cards, j'ai vraiment envie de voir la suite d'House of Cards. Mais House of Cards, bizarrement, alors j'aime beaucoup, mais c'est pas la série que j'attends forcément parce que ça va moins me passionner, je vais adorer la regarder. Mais le truc de Sherlock, c'est que c'est vraiment chaque épisode est fou, quoi. Alors que là, de temps en temps, sur House of Cards, bah, il faut que tu te tapes la saison. Et c'est marrant, mais on n'est pas du tout d'accord sur l'épisode qu'on a préféré dans la série, parce que pour moi, vraiment, celui que j'ai le plus surkiffé. De Sherlock, tu parles? Et ouais, celui où j'ai eu 40 orgasmes pendant les 90 minutes de l'épisode, c'est celui du mariage, quoi. Ah bon? Ah ouais, il est bien celui-là. Mais j'ai tellement surkiffé cet épisode. Je crois que j'ai pas rigolé devant une série autant depuis... C'était cool, mais j'ai trouvé que celui qui était le plus haut, c'était The Woman. Ah, il est très très bien. Quand même, en termes de qualité, d'écriture et tout. Mais il faudrait que je le revoie celui-là parce que... C'est celui où il rencontre la femme. Ouais. C'est celui-là où il y a le palais mental ou pas du tout? C'est un des premiers où il y a le palais mental. C'est celui où, en fait, où il n'arrive pas à la lire, etc. Elle arrive à poil devant lui. Tout à fait. Déstabilisé, puis ça le... Mais le mariage est génial. Le mariage, ouais. Je ne vais surtout pas te contredire. Le chat a l'air d'être d'accord avec toi. Je suis une banane, vous savez, le jeu où on met les étiquettes sur le front et on doit deviner. Il est tellement... Ce passage-là est tellement génial que quand j'ai vu l'épisode, le lendemain, je l'ai rematé, ce passage-là, au moins deux ou trois fois, parce que j'ai juste trouvé ça génial, quoi. Mais bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Sherlock, c'est une des meilleures séries. Ouais, bien sûr. Bah c'est un long métrage à chaque fois, quoi, quasiment. C'est, en tout cas, la qualité de production, la qualité de réa, la qualité de mise en scène des acteurs, c'est un long métrage à chaque fois. C'est assez impressionnant. Eh bien, j'ai envie d'enchaîner sur la news Leftovers. Vas-y.
Moi, j'ai hâte que j'en pense après. Et du coup, je vais m'asseoir sur ce canapé en bordel de manière plus sérieuse. Donc, The Leftovers est une série HBO. Donc, HBO qui est une chaîne qui a produit beaucoup des plus belles séries de ces dernières années. The Wire, Game of Thrones, Rome. Pour n'en signer que quelques-unes. Rome, etc. Edouard. Vraiment. Les Sopranos. True Blood, c'est encore une fois une des. On a tous en tête le début des séries HBO avec le. Moi, à chaque fois, je m'imagine le générique d'Entourage qui suit parce que j'ai tellement regardé Entourage. Moi, j'ai un peu la honte parce que c'est. Sex and the City. Ah oui, aussi. Mais c'est une excellente série. Hein. Mais là, maintenant, moi, c'est. Et du coup, vraiment, pour moi, Ok, le chat, voilà. Le chat. Et ose, ose. Ah, oui, chantez, chantez avec nous, monsieur. Ose, ouais. Dame. Chantez, oui, oui. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Chantez, chantez. Merci, on nous demande si on connaît. Je vais chanter pendant toute ta news. On nous demande si on connaît Black Mirror. Oui, on connaît, oui, on en avait fait d'ailleurs. Oh, oui, non, on en a déjà parlé. Un coup de cœur dans une ancienne émission. En même temps, vas-y, avec moi. Et donc, du coup, je me demandais à quel moment on allait voir un odeur sur le chat. Eh bien, merci à toi, Pluton. Donc, du coup, cette news. Alors, renommez-vous tous odeur. Odeur 1, odeur 2, odeur 3. Ça serait énorme que le chat se renomme tout le monde odeur. Ce serait assez génial. Et vous pouvez jouer, faire des jeux de mots, c'est très marrant de jouer avec la langue odeur des sels ou des trucs comme ça. Mais tant qu'il y a odeur dedans, c'est bon, vous pouvez y aller. Et bref, et donc du coup, je vais en revenir à cette news. Donc, de très loin, HBO est la plus belle chaîne à l'heure actuelle en termes de production, un des plus beaux networks américains. Et cette chaîne HBO a fait la rencontre de. Alors attendez, que je lui tue pas son nom. Donc, de Damon Lindelof, que les gens... Ah, ça fait plaisir de se renommer. Le voilà. Chat est en train d'apparaître. Odorim, Odor 08, Odor Tête, Odoro, Odor 35. Bonjour à vous. Odor à toi, Odor à toi, Odor à toi. C'est un odor de vous avoir sur le chat. Voilà. Bonjour à toi. Désolé pour ceux qui vont se faire kick automatiquement par les bots. Voilà, vous allez certainement vous faire kick, ban, tout ça, mais c'est normal. Vous inquiétez pas. Voilà, ça y est, c'est... expulsé. Voilà, ça commence. On n'avait pas prévenu. On n'a pas prévenu les bots. Désolé les mecs. Odeur de vous. Odeur de vous, il est très bien, odeur de vous. Ah, il y a odeur officiel qui est là. Non, mais c'est bon. L'odoriste Fodor. Odeur des pieds. Adam. Odeur bizarre. Bref. Donc, je vais terminer. Donc, c'est Damien Lindelof. C'est Damon Lindelof. Et vous le connaissez, c'est le créateur de Lost. Oui. Enfin, c'est un des scénaristes, surtout. Ouais. Parce que J.J. Abrams, c'est un des créateurs. Mais c'est le scénariste de Lost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute, Leftovers va être une des séries qui va avoir les premiers épisodes les plus intéressants. Ça va sans doute être une des séries qui, qualitativement, va être une des plus intéressantes et sur lesquelles il va se passer le plus de choses qui vont nous intriguer. Quel est le pitch de Leftovers, tu vas me dire? Mais quel est-il? Eh bien, je vais te répondre, Odor is coming. Eh bien, il y a 2% de la population qui disparaît. Soir au lendemain, personne ne alors sait que pourquoi. Vous voyez notre formidable filet. Tout à fait. Et donc, c'est là où vous comprenez que tout est de l'impro. Et donc, le truc, c'est que 2% de la population disparaît. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et on ne le saura jamais. Comment la population va réagir? Comment tu réagirais si 2% de ta population, un lointain cousin, ta tante, ta mère, on ne sait pas qui a disparu? Eh bien, sur ce thème, beaucoup de mystères vont apparaître, beaucoup d'étrangetés, et on va vouloir développer notre curiosité. Et c'est là où j'ai envie de dire, les gens, Leftovers, faites comme moi, ne regardez pas. Ne regardez pas cette série. Ne vous laissez pas avoir par la curiosité qui va vous faire regarder l'épisode 1, puis l'épisode 2, puis vous dire, mais en fait, peut-être que tout ça est réfléchi. Peut-être que cet homme sait où il va nous amener parce qu'il n'en a aucune idée. Cet homme, c'est un fou qui conduit une ambulance dans un ravin. C'est le créateur scénariste de Lost. Il ne sait pas quelle va être cette fin. Il n'en sait rien. Il est bon en pitch, il est bon en réunion. Il a vendu sa série. Ne la regardez pas.
abandonnez le bateau, fuyez Leftovers, ne regardez jamais cette série, sinon un jour, peut-être, vous aurez envie de regarder l'épisode suivant et vous serez cuit. C'est foutu et vous serez dans un Lost 2. Fuyez les mecs. Alors, il y a quand même à la différence. Il y a Odora l'exploratrice. À la différence de Lost, Damon Lindelof crée cette série avec, en s'appuyant sur un livre qui lui est terminé. En fait, c'est l'adaptation d'un livre. C'est le mensonge. Et le mensonge, c'est la promesse. Et l'auteur c'est du le livre Odor dans est le Odor. Co-créateur de la série. Il s'appelle Perrotta, je crois. Et aux ordinateurs portables. C'est le co-créateur portable. De Là, on est quand Last même dans du... Et The Last, tu l'as fini? Je peux donner mon message? Ah non, mais vas-y, je pense que mon message est clair. Et concrètement, pour que l'humanité se porte mieux, il ne faut plus qu'il y ait des séries et comme toi, tu ne l'as pas vu, on est d'accord. Mais c'est pas mais je ne la regarderai jamais. Les séries où les scénaristes savent à la fin, déjà, avant, quand ils sont déjà en train d'écrire, sont celles qui marchent, comme True Detective, Breaking Bad, les mecs l'ont écrit. Et tu vois que tout est ficelé en fonction de ce qui va arriver à la fin. Et du coup, ça te permet beaucoup plus de jeu de scénaristiquement quand tu sais déjà comment tu vas finir ton truc. Mmh. Lost, ils sont perdus. Mais tu penses vraiment qu'un mauvais élève, parce qu'il a pris la copie du voisin et qu'il copie, va te faire d'un seul coup la meilleure copie de philo de la vie? Ça m'est déjà arrivé d'avoir une meilleure note que celui mais sur on parle qui j'ai d'une copié, œuvre artistique. On parle pas d'un truc où tu peux copier le sujet de maths de ton pote. Alors, moi, j'ai vu le pilote de The Leftovers. J'en ai fait un article à lire sur le site crushover.com. T'as l'air d'être un bon site, ça. Ouais, bah c'est le nôtre. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série? L'intrigue de base, c'est-à-dire 2% de la population ont disparu. Salut à toi, Balthazar. Balthazar, bonjour, première web télé. Coucou, c'est convivial, t'es chez nous. Il y a le Twitter, il y a le chat. Normalement, les gens s'appellent Odor sur le chat ici. C'est pas une bizarrerie, c'est normal. Donc, mais tu as le droit de changer ton nom, il n'y a pas de problème, Balthazar. Excuse-moi, Kier, on t'a coupé. Alors, le fait qu'il y ait 2% de la population qui disparaisse. C'est intéressant, mais tout de suite, on se dit « Ok, mais il n'y aura pas d'explication logique à ce phénomène, puisque les gens disparaissent vraiment d'une seconde à l'autre. » La première scène le montre bien, la mère est en voiture avec son bébé qui hurle à l'arrière, elle est au téléphone, et là, tout d'un coup, le bébé n'hurle plus, elle se retourne, le bébé a disparu, elle est sur un parking de supermarché, et le mec qui poussait son caddie juste avant, eh ben, a disparu, et le caddie avance tout seul. Donc, il n'y aura pas d'explication logique. On en est certain. Et Damon Lindelof, il le sait aussi. Et du coup, il se dit, il faut que j'arrive à développer ma série autour de trucs qui sont intrigants. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Et là, pour ses choix, pour moi, ne m'intéressent pas du tout dans le sens où il va créer une espèce de secte dont on sait à peu près rien. Des animaux qui sont, des chiens qui sont violents, mais d'une extrême violence et qui sont abattus par des mecs, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont développés autour de cette intrigue des 2% qu'on ne comprend pas trop et à tel point que finalement Odor, les 2%... Odor the Dome. Moi, je trouve Odor the Dome, je trouve que c'est super respectable. Et Odor the Skin. Les 2%, Odor the Skin est nul comme ça. Les 2%, on s'en fout complètement finalement. Le casting est pas folichon et pour un pilote, c'est beaucoup moins bien que celui de Lost, c'est incontestable. Et alors il y a des trucs qui t'intriguent, parce que par exemple, il y a une nana, et ben dans les 2% qui ont été touchés, c'est toute sa famille. C'est-à-dire que de toute sa famille, il ne reste plus qu'elle. Toute sa famille est dans les 2%. C'est la faute à pas de bol, la faute à pas de chance. Et cette série, finalement, démarre, je trouve, assez mal. Et au final, je vais regarder la suite pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais pour l'instant, ça ne m'a pas du tout passionné. Et c'est la même chose pour une autre série qui est sortie il y a quelques semaines et qui était vendue comme une série phénomène, la nouvelle The Shield, et qui s'appelle Gang Related, avec Locke, justement, de Lost, qui est censée être une série vraiment audacieuse, avec un scénar vraiment intéressant. Au final, pas du tout. C'est une série bourrée de clichés qu'on a déjà vu 36 fois. Bref, dans les nouvelles séries là qui ont pop, The Leftovers et Gang Related, je vous conseille de les regarder que si vous n'avez rien d'autre à regarder. Voilà. Ok, donc vraiment pas conseillé, quoi, en fait, pour résumer. Ok, très bien. Avez-vous des autres news séries, messieurs? Ouais, alors moi j'en ai une sur Breaking Bad, et plus précisément sur le spin-off Better Call Saul. Il y a Dean Norris qui joue Hank Schroeder qui a déclaré qu'il voulait revenir dans Better Call Saul. Il est dans Under the Dome en ce moment.
Et tu m'étonnes qu'il ait envie de revenir. Et j'ai envie de jouer, quoi. Je joue bien la comédie. Et d'ailleurs, il y a le premier épisode de la saison 2. Dans cet épisode, Dean Norris joue incroyablement mal. Oui, incroyable. The Odor of the Ring. Ouais. Bien, c'est ça. Et Dean Norris a donc déclaré qu'il voulait revenir dans Better Call Saul, faire une apparition. Et mauvaise nouvelle, CBS a mis un veto clair et net. Ils ont dit non, Dean Norris est en contrat avec nous. Il ne peut pas apparaître sur une autre chaîne, en l'occurrence AMC. C'est ouf. Mais d'ailleurs, ça défonce mon argument tout à l'heure en disant qu'une série peut être bien scénaristiquement quand les gens savent la fin. Under the Dome, c'est un bouquin de Stephen King, donc ils savent clairement la fin. Et pourtant, c'est nul à chier. Ouais. Mais nul. Et pourtant, j'ai regardé toute la saison 1 et j'ai regardé l'épisode 6. Oui, j'ai commencé, je finis. Je regarderai tout, mais pour voir juste qu'ils peuvent aller, parce que là encore, dans cette saison 2, ils te font popper des personnages, alors que t'es censé, ça fait des mois et des mois qu'ils sont sous ce dôme. American Odor Story. Mec. Ça, c'est mal. On a quelques belles trouvailles, les enfants. On a donné des news d'American Horror Story. Donc voilà. Juste petite news, et il va falloir qu'Aro soit réactif. Il y a le personnage qui va jouer la Reine des Neiges dans Once Upon a Time qui a été choisi, alors pas le personnage, l'actrice qui va jouer, comment elle s'appelle le personnage, c'est Elsa dans La Reine des Neiges, puisque La Reine des Neiges apparaît dans la série Once Upon a Time, juste après, comment elle s'appelait celle qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps, Réponse, qui est d'ailleurs une actrice afro-américaine dans la série, et donc on a une actrice qui s'appelle Georgina Egg, et qui est très jolie d'ailleurs. Voilà, donc si on en parle, c'est forcément qu'elle est mignonne, parce que sinon tout le monde s'en fout de What's Up with the Time. Voilà, complètement. Et Kaoru n'a pas du tout c'est le moment bonjour madame. Donc voilà, je sais pas si on en parle, mais je crois que Kaoru n'est plus là, donc bon, bref. Mais en fait, depuis tout à l'heure. Je t'avouerai que j'ai pas les assets et. Alors, Kaoru, juste dis-moi, est-ce que je suis fou ou j'entends un fond très doux de la musique de Pokémon? Tu joues au Pokémon ou je suis fou? C'est juste complètement pété dans ta tête, tout va bien. D'accord, mais ça force de tourner en boucle. J'ai la musique en tête. Et donc tu ne veux pas montrer Georgina Egg, qui a l'air d'être la bonjour madame de Caire d'aujourd'hui? Non? Quand tu tapes Georgina Egg sur Google, ça te propose Georgina Egg hot. Oui, mais c'est pareil pour et Georgina Egg fit. Tu vois, vraiment, c'est pour des gens très, très... Pas naked ou bikini. Non. Toujours hot, là. Les gens kiffent ses pieds, visiblement. C'est le délire du moment. Et donc, du coup, on va vous montrer vraiment à l'ancienne une image, parce que c'est la bonjour madame, quoi, tu vois. Voilà. Bonjour madame. Pierre et Quentin. Et hop. Qu'est-ce qu'on fait pas pour toi? Alors, je sais plus dans quelle série on l'avait. Je suis pas sûr que ça aille dans la pub Bonjour Madame. Hein. Moi, je lui dirais pas bonjour complètement. Si la série aussi bien que les photos que j'ai, je parlais de la série. tu passes sous un tunnel, je crois, Kaoru. On t'entend mal. Ah, ça a coupé. Du coup, on va continuer l'émission. Donc, que voulais-tu dire? On en est au coup de cœur. On en est au coup de cœur. On en est au coup de cœur, c'est le fameux moment. Wouhou, coup de cœur. Ah, on fait pas de pause avant les coups de cœur ou... Oh, si, il veut, on en fait. Alors, je vous préviens, je suis très mal pour ce coup de cœur-là. Moi aussi, je suis crevé. À la joue dans Fringe, Georgina Egg. Voilà. Moi, je suis très bon coup de cœur de Biggie. Bon, vous voulez coup de cœur? Il est 23h, précisément. On fait une pub. Vous voulez une pub? Bon, c'est... Petite pub, moi, j'étais on se prépare contre... pour notre coup de cœur. Moi, vous vous souviendrez que j'étais contre, j'étais chaud pour continuer, etc., mais... Ils ont envie d'aller... Mais sinon, j'ai vu plusieurs personnes qui demandent à ce qu'on parle de Gotham, notamment, est-ce que... Mais Un avis sur Gotham, Constantine. Non, on n'a pas regardé. Je suis très flippé sur Gotham, parce que tous les trailers qui ont été sortis étaient vraiment nuls. Ouais. En fait, faut être clair. Le côté... Les séries comme Smallville, vraiment un peu cucu autour d'un personnage, etc., qui transforme en fait le personnage DC qui... au tout début, les personnages d'ici, les années 50, étaient tous faits pour les enfants, c'était des G.I. Joe. Plus c'est allé, plus on est allé sur des personnages qui étaient beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures, intéressants, etc. Enfin, de mon point de vue. Et en fait, les séries Warner, c'est des séries donc, d'ici, donc Smallville, The Arrow, etc., qui sont formatées pour le public de la Warner, qui est un public d'adolescents qui regardent de Vampire Diaries ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est en fait les super-héros qui retournent un peu entre le G.I. Joe et le héros super glauque, etc., qui est à l'époque de l'adolescence, un peu adolescence pour filles.
Donc ils sont très mignons. Ziaro, oui. Tous les trailers de lancement ont montré ses abdos. Enfin, c'est quand même, tu vois. Et donc, grosso modo, le but de ces séries, c'est d'aller... Ils s'en foutent de nous, on n'est pas leur public. Nous, si on regarde une ou deux fois, c'est cool, ça leur fait des stats. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est capturer les mômes qui ont 14 ans, 15 ans, les petites demoiselles, les petits garçons, parce que c'est sur ça qu'ils vont acheter des figurines, qu'ils vont en parler au collège et tout. Donc, je ne peux pas vous dire que j'aime beaucoup Arrow. Je trouve que c'est très gamin, au final. Ça fait croire que c'est sombre, mais au final, c'est sombre juste pour les gamins de notre âge, enfin de 14 ans. Plus 14 ans, j'ai dit n'importe quoi. Mais enfin bref, et Gotham a l'air d'être formaté dans la même optique, Flash a l'air d'être formaté dans la même optique, ouais. Etc. Donc, la fiche derrière nous, c'est Final Fantasy IX. Eh bien non. Ça, c'est Infinite, BioShock Infinite. Ah, celle-là, ouais. Et j'ai vu aussi Marquis, qui est donc un habitué de l'émission, qui nous dit qu'il se sentait ignoré parce qu'on n'avait pas parlé de Locke. Ben, on l'a pas vu, Locke. Mais pareil, on l'a pas. Enfin, personnellement, je l'ai pas vu non plus, comme Kerr. Est-ce que tu l'as vu? Non, mais on en parlera très prochainement. On va tout regarder, on va mettre des congés. On va se mettre des journées de congés. Ouais. Donc la web télé n'émettra plus. Et comme ça, boum, on pourra regarder toutes les séries d'un coup. Tout le monde sera content. Bigby, pourquoi tout au gaming s'est barré sur JVC? Odor et Gami. Une question surprenante. alors, dans les faits, bon, je vais répondre parce que c'est vrai qu'elle arrive souvent ce question. Dans les faits, c'est pas O-Gaming s'est barré chez JVC, c'est plein de gens comme. Bah, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai arrêté O-Gaming en octobre, novembre, je crois. Ouais. Et puis on a arrêté. Et au final, le projet JVC qui est arrivé en début d'année était super. Moi, je pensais avoir arrêté le gaming. Et puis, ce projet est arrivé un peu de nulle part. Oui, voilà, en fait, ce qui était super intéressant. C'est qu'on n'est pas parti de gaming pour JVC. On est juste parti de gaming parce qu'une page se tournait, on avait envie de faire d'autres choses. Voilà. Ouais, en fait, c'est juste et que puis, ça faisait déjà deux ans et demi qu'on travaillait tous ensemble. Au final, les gens ont eu envie de faire des choses différentes. Et on nous a proposé ce projet JVC. Et c'est vrai que JVC, en fait, était un nouveau projet. Il y a plein de personnes qui partaient sur plein de web télé différentes, plein de projets différents. En fait, au final, ça a refédéré des gens qui étaient en train de partir. Maintenant, c'est vrai que pour le public, c'était peut-être pas annoncé. Du coup, les gens pensaient que ça passait l'un à l'autre. Enfin, bref. Bon, la question est répondue, j'espère. Et bah, du coup, c'est le moment de faire une pub. Hein. Eh bien, c'est la pub, tout à fait. Tout à fait. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on sera là pour les coups de cœur et un quiz spécialement préparé. Pour et pour ceux qui trouvent que Arrow, c'est pas mal, c'est pas si mal. C'est juste que c'est fait pour les gens un peu plus jeunes. Bon, plus dans 10 minutes. Non, tu peux balancer la pub, Kaoru, on se dit à pub, tout de suite pub. Dans 3 minutes exactement. You. Et on est de retour, toujours avec vous, nos 3 millions de viewers ce soir, on est très contents. Ouais, on a une audience qui monte, hein, et on est vraiment contents. Ah bah 3 millions, ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que ça vous plaît, et quand ça vous plaît, ça nous plaît, et quand ça nous plaît, ça vous plaît. Et, non, ça veut juste dire que le moteur de bot, on dit coucou à tous nos amis de tous les pays du monde. Salut bot. Et du coup, d'ailleurs, on va le faire à chaque fois. Qui sont les petits nouveaux sur le chat? Nouveaux ou... Et juste avant de parler des petits nouveaux, je veux parler d'Abstract. Désolé, je n'ai toujours pas vu Alabama Monroe, c'est pour ça et que moi, je l'ai pas. Noté. Je l'ai noté sur Google Now, là, le truc où on fait des listes, et j'ai noté dans les films à voir rapidement, j'ai marqué Alabama Monroe. Putain, je suis tellement fatigué, je vais en chier. Et on a vu tout à l'heure d'ailleurs qu'Alabama Monroe était classé 25e dans le top des films de tous les temps d'Allociné. Mais bon, Seven est juste derrière. Nouveau. Non, il y a Asran qui a dit nouveau, il y en a qui trichent. Il y a des triches. Et il y a Oberyn Martel, coucou à toi. Beaucoup de nouveaux. Le Oberyn est sur toutes les émissions. De Hearthstone, je te salue, mes émissions Hearthstone, c'est le samedi de 16h à 18h sur cette TV. Oh là là, le coup de pub, le coup de promotion tout nouveau, seul. Et je vous emmerde, mais écoute, Melky, on t'emmerde aussi, mais on espère que tu reviendras, parce que... je suis un nouveau, bitch. Il y en a qui dit, mais joue putain, ce qu'on dit souvent pendant mon émission Hearthstone, voilà. Non, mais il est où, Mister MV? Écoutez, merci aux anciens et aux nouveaux de faire un chat de si bonne qualité parce que. Ouais, parce qu'on se barre vraiment cool, bien. Ouais. À chaque fois, c'est grâce au chat. Et si on faisait les coups de cœur? Eh ben, on va pouvoir faire ce que je peux commencer. Eh bien, sûr. Commence, je t'en prie. Eh ben, c'était un très bon coup de cœur. Euro-Micel. En premier, ça m'arrange. Non. Euro-Micel, qui est également présent sur tous mes streamers Stone, et je le salue, il est là aussi, donc ça fait vraiment plaisir. Et on remercie du coup notamment Odor 2, ouais. Odor 3, Odor 8, Odor Loge, qui était par là, Odor Igami, et tous ces gens qui font un chat. Ouais.
La baguette. C'est génial. Baguette, et évidemment, après, tout le monde. Carottes et bien d'autres. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Under the Skin, le film de Jonathan Glazer sorti au cinéma le 25 juin 2014 avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. C'est un film ovni, toutes les critiques l'ont dit, hein, c'est vraiment le terme. S'il y a bien un terme qu'on peut mettre sur Under the Skin, c'est ça, c'est ovni. Under the Skin, c'est aussi un film qui pour moi a été super parce que ça m'a permis de voir un peu toute l'intolérance des gens sur le net. De voir toute l'actrice. Non. Point. Salut Melky, leur dis pas que je l'ai fait, eux c'est des ingrats. Toute l'intolérance d'internet parce que les gens qui ont vu Under the Skin et qui ne l'ont pas aimé ne peuvent pas concevoir qu'une personne puisse l'avoir aimé. Alors ça c'est un truc, je n'ai pas vu quelqu'un qui avait aimé et qui n'avait pas aimé ce film me comprendre que moi je l'ai aimé. C'était ah ben non, t'es une grosse merde, t'as aimé Under the Skin, t'es une grosse merde, t'as des good shots. C'était la même chose, même phénomène sur Lucide. Spring Breakers. Hein, sur Spring Breakers notamment. Et sur Pacific Rim. Oui, voilà, sur Pacific Rim. Bref, on s'en fout. Et sur Brokeback Mountains. Under the Skin, pourquoi j'ai trouvé ce film absolument génial. Alors déjà, au niveau de la mise en scène, au niveau des décors, de la lumière et tout, c'est un film qui est très soigné. Je raconte un petit peu l'histoire quand même parce que c'est important. On suit un personnage énigmatique qui est Scarlett Johansson, qui déambule dans une camionnette qu'elle a, si on a bien compris, volée à une prostituée. Elle lui a volé ses vêtements. Elle déambule avec sa camionnette dans les rues de cité d'Écosse, parce que le film se déroule en Écosse. Et elle chasse. Elle chasse quoi? Elle chasse les hommes. En l'occurrence, des hommes qui sont un peu, on va dire, en yinche. Qui ont envie de ken, hein, comme voilà. Ou de care. Voilà. Et voilà. Et en fait, elle les prend avec elle, les emmène pour. Christiane nous demande s'il y a un peu de cul quand même. Pour avoir un coït. Et au moment du coït, ces individus disparaissent. Alors, tout est imagé, bien évidemment. C'est aussi un des trucs qui perturbe le spectateur. Ils étaient là et bah, pouf. Ils disparaissent dans une espèce de flaque noire, symbolisant leur mise à mort. Et on ne sait pas pourquoi elle fait ça, on ne sait pas du tout qui elle est, on ne comprend rien, on comprend très vite qu'en fait c'est une extraterrestre. De toute façon, toute la promo du film l'a balancée, donc voilà. Et en fait, ce film, pendant toute une partie, est extrêmement dérangeant, intriguant, on ne sait pas du tout si on s'ennuie profondément devant, si ce film est détestable, s'il y a un coup de génie derrière, on ne sait pas du tout où il veut nous emmener, Jonathan Glazer. Et là on est vraiment sceptique et puis je pense qu'il y a un moment dans le film où le film te fait balancer soit dans le rejet le plus total, donc tu vas le détester, ce que je comprends tout à fait, hein, ou alors soit tu vas l'adorer mais pleinement, c'est-à-dire qu'à un moment donné Scarlett Johansson se découvre et là c'est soit tu détestes, soit tu kiffes. C'est dénude ou ce... Non, se découvre elle et c'est moi. À partir de là, c'est vraiment un film qui m'a emballé, mais complètement, jusqu'à la fin, où je suis sorti complètement sous le charme d'Under the Skin. Et les critiques sont folles, hein. C'est un des films qui a les meilleures critiques de l'année. Le public est très partagé. Moi, vraiment, ça a été un immense oui. Je ne sais pas trop l'expliquer. C'est au niveau de la sensation sur ce film. Tu l'aimes, tu le détestes, tu sais pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de scènes qui sont magnifiques. Il y a aussi des scènes qui sont incroyablement dures. Je pense que c'est dans ce film-là que j'ai vu la scène la plus dure au ciné depuis très longtemps. Donc voilà, je suis sorti ébloui par ce film. Mais ça se jouait vraiment à un poil de cul pour que j'en sorte en le détestant, quoi. C'est vraiment une expérience à vivre, je trouve, Under the Skin. C'est un film comme on en voit très très peu, finalement. Il n'a rien de conventionnel. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir et puis de vous faire votre propre avis. Et donc, avis. Une question de Medjay que je vais essayer de lire sans trahir le propos. En gros, Kerr, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 5 euros pour le voir? Oui. Le prix d'une séance de strip gratos sur Internet. Oui, non, mais bien évidemment. Mais alors, il y a un truc aussi, parce que vous en parlez, et c'est normal d'en parler. Le film a beaucoup fait parler de lui parce qu'il y a les premières scènes de nu devant la caméra de Scarlett Johansson. Toutes les apparitions de nu de Scarlett Johansson dans le film sont pleinement justifiées.
Les scènes où elle est nue sont magnifiques. Parce qu'elle s'est déshabillée avant, donc on comprend qu'elle est forcément nue à la scène suivante. Mais en fait, elle, ces scènes-là, je trouve, n'ont rien de sexy. Alors oui, on voit Scarlett Johansson nue, mais elles vont parfaitement bien avec le film. Et au final, c'est très anecdotique, la nudité de Scarlett Johansson. Surtout que la première fois où on la voit nue, la scène est très dérangeante. La deuxième scène, la scène est très poétique. Au final, on se fout complètement du fait que Scarlett Johansson soit nue dans le film. Et du coup, j'ai vu des gens parler de Lars von Trier quand tu parlais justement des scènes de nu ou alors d'un film dérangeant. Est-ce que ça se rapproche un peu à ça ou c'est beaucoup moins trash, moins glauque? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, Nymphomaniac, j'en ai aussi fait une critique sur Crossover. T'es vraiment depuis, on peut le dire, une belle année, un spécialiste du film... indépendant, érotico. Non, c'est pas du tout comme... C'est sites référence. Mais c'est tes sites références, apparemment. Je pense qu'il a essayé de te dire ça. Ouais, quels sont tes sites références? Je ne sais pas. Je suis à peu près sûr qu'il veut nous faire dire le nom d'un site. Ah, Crossover, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de lien avec Lars von Trier. C'est très, très différent, Nymphomaniac et Under the Skin. La sexualité dans Under the Skin est finalement elle est quasiment invisible. Elle est là, mais on la voit pas. C'est pas du tout le sujet du film. C'est complètement différent de Nymphomaniac où là, la sexualité était au cœur de tout, de toutes les scènes. Donc non, moi je vous conseille vraiment. Alors si vous n'avez pas aimé Nymphomaniac, ne jugez pas Under the Skin sur ça. Il faut vraiment le voir. Je pense que beaucoup d'entre vous vont le détester. Mais par contre, si vous l'aimez, alors là, vous allez vraiment, vraiment l'aimer très, très fort. Et s'il faut faire une sorte de teasing de notre émission spéciale qui arrivera en fin d'année, les Cult and Kick Awards, où on fait notre top 5 des films, je le dis très clairement, arrivé là début juillet, Under the Skin est deuxième de l'année. Ah oui, deuxième. Deuxième. Il n'y a que Heure qui m'a... D'ailleurs, j'avais pas eu le droit de mettre la dérivée de Walter Mitty. Je pourrais le mettre cette fois? Ah oui, bien sûr. Tu as l'autorisation. Merci. Voilà. Donc, Under the Skin. Bah, très bien, bah, merci. Donc, tu le conseilles, il est encore en salle? Oui. Sorti depuis quand? Oui, il est sorti le 25 juin. Il tourne sur des cinémas, on va dire, indépendants d'arts et d'essai. Je suis allé voir là-dedans parce que les Gaumont, par exemple. C'est les cinémas où ça fait bien d'amener une demoiselle, tu vois. On va au petit cinéma italien, Cinema Paradiso, qui est près de la rue des artistes. C'est ceux qui ont fait connaître la nouvelle vague. Ouais, voilà. Ça. Et on demande, alors là, on est en train de parler justement, on fait des Cutting Click Awards. Il demande s'il y aura Dallas Buyers Club dans mon top 5. Oui, il y est. Et il y aura certainement Heure aussi, d'ailleurs. Ben, Heure est premier, Under the Skin est deuxième, 12 Years a Slave est troisième, Dallas Buyers Club est quatrième. Il y a dans 6 mois. Oui, mais il y aura Interstellar qui sera arrivé. De toutes les manières, le top 5 de Kerr est toujours très fourni, car c'est un top 5 à bien 7 ou 8 films. Donc, c'est vraiment... Ne vous inquiétez pas, il sera généreux en top 5. Non, mais ouais, Dallas Buyers Club, très bon film aussi cette année, bien évidemment. Très bien. Tu fais, je fais. Par contre, ouais, alors écoutez, je tiens à dire quelque chose. Quand tu disais, ouais, est-ce que c'est dans ma tête si on entend Pokémon? Que dalle, Kaoru est en train de jouer à Pokémon. Ouais, je suis pas fou. Là, il est en pleine baston dans Pokémon, c'est la musique des combats. Bah, la preuve, la cam est sur le seul qui ne parle pas de Pokémon. Bah écoute, vu que la caméra est sur moi, je vais en profiter pour faire mon coup de cœur. Et Kaoru, je crois que tu as essayé de communiquer. Je vérifie, c'est ça, non? C'est totalement ça, alors que donc vous voyez à l'écran le film dont j'ai envie de vous parler cette semaine, qui s'appelle « J'ai toujours rêvé d'être un gangster ». Parfait. donc qu'est-ce que c'est que ce film? Mais c'est chelou, c'est du noir et blanc, c'est du 4 tiers. Mais non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est un film assez génial, réalisé par Samuel Benchetrit. En gros, alors c'est très dur à résumer comme film, c'est un peu une sorte de film choral, mais où les personnages s'entrecroisent pas forcément. On va suivre plusieurs histoires, la première étant un braqueur qui n'est pas armé, qui va tenter de braquer quelqu'un, mais il va s'avérer que ce quelqu'un est en fait une braqueuse, mais qui, elle, est armée, et donc va amener des situations cocasses. Humour, Gaudriol. Humour, tout ça. Calembour. Il y a aussi une histoire de deux kidnappeurs amateurs qui se plantent et enlèvent une ado suicidaire, donc plus d'emmerde qu'autre chose, parce qu'elle, de toute façon, elle veut mourir, donc elle s'en fout d'être kidnappée. Il y a aussi deux chanteurs qui vont parler d'un de leurs tubes volés, tout ça. C'est un film assez spécial. Tu parlais de film OVNI pour Under the Skin. Je pense que celui-là aussi, on peut le ranger dans la catégorie film OVNI, bien qu'il n'ait absolument rien à voir.
Samuel Benchetrit. Voilà, et il le fait avec sa femme qui s'appelle Anna Mouglalis. Anna Mouglalis, ouais. Tout à fait. Donc voilà, donc j'en profite pour dire qui est présent dans ce film. Il y a Anna Mouglalis, il y a Édouard Baer, il y a Jean Rochefort, il y a Alain Bachung Arnaud. Et encore plein d'autres. Il y a Arnaud. Ben, Arnaud et Alain Bachung, ce sont les deux qui discutent. J'ai dit Rochefort. C'est vraiment assez particulier, c'est bizarrement très théâtral. Les plans sont assez magnifiques. C'est pas un film d'action, quoi. Si vous voulez de l'action, c'est clairement pas le film qu'il faut voir. Mais c'est une belle œuvre d'art, en fait. Je pense que j'irai jusque-là. C'est une belle œuvre à regarder vraiment comme si on regardait une œuvre d'art, pas forcément un film pour se divertir. C'est un peu expérimental, c'est vraiment un bon truc, quoi. Et n'ayez pas peur du noir et blanc, encore une fois, je sais que je le répète vachement, mais ça ne change rien parce que du coup, ça apporte une lumière assez sympathique à regarder. On voit que c'est très travaillé et encore une fois, les plans sont assez fous. J'avais passé un très bon moment en regardant ce film, que je vais sûrement revoir en rentrant chez moi d'ailleurs ce soir. Moi, j'ai été très surpris en le voyant et franchement, j'assume pleinement ce que je vais dire, mais c'est un de mes films français préférés. Ouais. Il y a Roger, qui porte bien son nom, qui dit « En fait, c'est le genre de film où on le dort quand on le voit, quoi. » Non, mais alors, je comprends totalement qu'on puisse dire ça. Oui, effectivement, si tu t'attends à un Transformers 4, c'est clairement pas là où tu vas le trouver. C'est un autre style de cinéma que moi j'aime beaucoup, très petit budget, qui a pas fait énormément d'entrées. Je crois qu'il a fait un truc comme 160 000 entrées en France. Ça a été fait avec 2 800 000 euros et pourtant c'est vraiment, vraiment réussi. Je vous le conseille grandement. Ok, bah écoute, merci pour ce coup de cœur. Bah de rien, de rien. Moi je reste quand même... Il est sorti en 2007 d'ailleurs. Je reste quand même un peu... Sur ta fin le noir et blanc, moi ça me refroidit. Ouais. Et du coup, coup de cœur un peu, film indépendant, etc. Et donc, je vais essayer de contrebalancer en faisant un mais coup de cœur sur un autre film. Mais ça joue avec beaucoup de références, notamment, tu vois, l'affiche du film ressemble beaucoup à une affiche de western, même la typo qu'ils ont choisie. Ils jouent beaucoup un peu sur... L'affiche du film, c'est Anna Mouglalis qui est toute nue. Oui, mais qui a un flingue, on voit pas sa tête. Elle a un bébé dans les bras. Elle a un bébé, un flingue, on voit pas, il y a ses cheveux devant. Et au-dessus, t'as écrit « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », qui est d'ailleurs un très bon film, parce qu'en fait, ce sont plusieurs histoires, mais qui en fait ont tout un point en commun, c'est-à-dire que tous les personnages sont des losers et qu'ils n'arrivent même pas à être hors la loi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Vraiment. Puis le duel Arnaud Bachung et... Il est ouf. Et je suis un grand fan de Bachung, donc quel plaisir de le voir là-dedans. Rochefort dans la bagnole avec les vieux, c'est tellement drôle. Mais les dialogues sont tellement précis, bien écrits, vraiment Ouais, moi j'ai vraiment adoré ça. Pourquoi pas Jean Rochefort dans Transformers? Parce que tant qu'à voir Wahlberg, tant qu'on y est. Qui est-ce qui avait joué dans le transporteur déjà? Je lis le chat. C'est Statham. Non, justement, l'acteur français. Ah, bah c'était Berléon. Voilà. Mais Berléon a joué dans toutes les merdes possibles et imaginables pendant une période. Hein. Dès qu'il y avait un film français un peu gros avec produit par Europacorp, il était là, Berléon, il était là, coucou. Mais après, je comprends complètement que c'est pas le genre de film que certains ont envie de voir. Hein. C'est un genre particulier qu'il faut essayer au moins, essayer de voir. En fait, je comprends même pas pourquoi tu prends autant de manières d'essayer de dire attention, soyez pas trop. Non, parce qu'il y a que le noir et blanc, mais par contre, il est super drôle, vous allez vous éclater. Hein. Mais tu sais que la première fois que je l'ai vu avec mes potes, ils sont tous barrés au bout de 10 minutes. Hein. Je suis resté seul, ils faisaient la teuf dehors et moi, je suis resté dehors. Mais il y avait une fille mignonne avec dans le coin. Non, pas du tout, on était que des mecs. Ok, et donc du coup, on s'était pas consulté pour les coups de cœur, et du coup, je vais vous faire le coup de cœur de Monsieur Smith au Sénat, qui est un film de 1939. Donc, on est encore plus dans le noir et blanc, mais là, pour le coup, c'est pas un effet de genre, c'est que c'était pas des artistes qui faisaient noir et blanc, c'est juste qu'ils pouvaient pas faire autrement, parce que la couleur n'existait pas. Voilà, c'est tout. Et du coup, Monsieur Smith au Sénat, si je ne suis pas encore sénile, je pense que j'avais déjà fait un coup de cœur il y a très longtemps. Sur ce film, mais comme il y a beaucoup de nouveaux spectateurs, je me suis dit pourquoi pas reparler de mon film préféré. Et pourquoi ce film est mon film préféré, même si la scène du trailer n'est pas une scène d'explosion incroyable qui donne l'impression que, oh mon Dieu, il se passe quelque chose, regardez. Voilà. Là, on a l'impression que le film est chiant, tu vois. Mais le film n'est pas chiant, parce qu'il a une musique. Et donc le truc, c'est que c'est un film qui est réalisé par Frank Capra. Frank Capra, qui c'est un peu le Spielberg des années 40 à Hollywood. C'est un des plus grands réalisateurs qu'a connu le grand Hollywood, qui faisait des super beaux films, etc., etc., de la belle époque. C'est un des réalisateurs les plus primés
Kaoru, je crois qu'on entend très fort le son de la bande, du trailer. Et en fait, c'est un des réalisateurs les plus primés en termes d'Oscar, de César, enfin pas de César, mais d'Oscar à Hollywood. Et donc cet homme qui s'appelle Frank Capra, qui est un réalisateur totalement autodidacte, qui est tombé par pur hasard, c'est un scientifique de Caltech en fait. Il est tombé par pur hasard, il en avait ras-le-cul de ses études de sciences, et il est allé faire de la cinématographie. Et petit à petit, il s'est retrouvé à être dans un studio où il a commencé à faire Hola Bigby. Pèse dans mon dieu, je cherchais Cult & Click depuis 3 semaines et je tombe sur vous en cherchant un stream de MV. Qu'est-ce que je suis content, Cardé. Et salut à toi, Cardé. Bonjour, Cardé. Et si tu veux tout savoir où est-ce qu'on est et tout, faut nous suivre sur Twitter. Mais oui, oui. Oui. Voilà, c'était le petit moment. C'est super intéressant, vous faites bien rire, Will. Coucou, Will. Coucou. Et donc, du coup, où est-ce qu'on allait avec tout ça? On allait pour dire donc que Frank Capra, que réalisateur autodidacte, qui s'y fait tout seul, etc. Et en fait, pourquoi j'insiste sur le fait qu'il est autodidacte? C'est qu'à l'époque, les réalisateurs, surtout aux États-Unis, c'était des films, ils faisaient que des films de commande. C'était des prestataires. Ils prenaient un film, ils disaient on joue une comédie romantique, et puis ils faisaient une comédie romantique vraiment de fait main. C'était les producteurs qui décidaient de comment couper le film, etc. Et lui, c'est un des premiers. Les films propagande vont arriver aussi avec la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Allemagne, où beaucoup de films de commande parce que de propagande. Ouais, là, tu fais une liaison qui n'est pas forcément évidente, mais oui, il y a beaucoup de films de commande et les films sont très ancrés dans des univers, dans des codes, on va dire. Et Frank Capra, lui, c'est un petit autodidacte qui s'est formé petit à petit, qui a monté les échelons tout seul dans les studios de cinéma. Et en fait, il écrit des films qui sont très personnels, et pourtant qui sont des films un peu à gros budget de l'époque, où il met des gens, etc. Et du coup, il fait le film qui s'appelle Monsieur Smith au Sénat, avec James Stewart, que vous devez avoir connu dans les films de Hitchcock, où il avait fait Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour, avec Grace Kelly, ouais. Et, d'Hitchcock, d'ailleurs. Et du coup, donc, il a accès à des grands acteurs, etc. Il fait un film sur quoi? Il fait un film sur un tout nouveau sénateur qui vient d'être élu dans sa petite région, etc., etc., qui est paumé, qui est un boy scout, etc. Il arrive dans la grande ville, il arrive à Washington, et il a l'impression qu'il va changer les choses, qu'il va pouvoir apporter des nouvelles lois, etc., etc. Enfin, il est vraiment les yeux plein, tu vois, de rêves et tout. Et là, malheureusement, il se rend compte qu'en face de lui, il a le système. Et que le système n'est pas là pour faire que les choses aillent mieux ou moins bien. Les choses sont là juste pour avancer dans un certain sens, où tu as les grandes sociétés, tu as les qui sont là pour faire du profit, il y a les autres sénateurs qui sont là pour être réélus, etc. Et au final, là où tout le monde fait des compromis, et où au final, encore une fois, souvent c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos films à l'heure actuelle, c'est toujours des compromis, jusqu'où on va faire un compromis, est-ce qu'en fait on va réussir à être ami avec l'ennemi dans le film pour aller plus loin, etc., etc. Les films modernes sont très très basés sur des compromis, et là c'est un film qui n'en fait aucun, et le jeune sénateur va au final dire non, va essayer de voir comment est-ce qu'il peut faire casser le système. Et c'est un petit bonhomme qui est tout seul face à un grand système, et je vous laisse découvrir le reste du film. C'est un vrai bon film. On suit le truc, c'est de la petite comédie sympa qui vous fait sourire à des moments, etc. Le film est particulièrement bien rythmé, ce qui est assez étonnant, enfin, de mon point de vue. Je ne suis pas très fan de beaucoup de vieux films qui manquent de rythme, qui sont sur des rythmes très lents auxquels on n'a pas l'habitude, parce qu'on a l'habitude que ça aille vite, etc. Et au contraire, le film a vraiment du rythme et un scénario qui se laisse regarder, et avec une fin qui, pour moi, est une des meilleures films du cinéma. Quelqu'un me rappelle le titre du film, c'est Monsieur Smith au Sénat, film de Frank Capra avec James Stewart. Voilà. Complètement perdu Kerr. Non, Kerr intériorise ce que je lui dis. C'est juste que Kerr n'a pas l'habitude d'avoir un tel débit de parole à côté. Lui, il l'intériorise. C'est lui qui est le premier soumis au choc d'ondes vocales, car je suis très proche de lui. Et du coup, il est dans une position de défense. Mais il faut possible. Vraiment... C'est à chaque fois qu'il y a les coups de cœur de Bigby, j'écoute avec attention, parce que je ne connais pas, ça m'intéresse, et vous dites que je suis en train de m'endormir. Les gens disent qu'on se fait manger par le canapé, c'est peut-être pas faux. Mais c'est Monsieur Smith au Sénat, je le répète. Regardez-le. 1939, Capra. Si vous voulez regarder un bon film en tentant des trucs un peu différents d'hab, eh ben c'est le bon ticket. Voilà.
Monsieur Smith, c'est énorme. J'essaye de faire court, mais c'est jamais possible. Quand c'est des films que tu kiffes, c'est chaud de faire court. Voilà. Mais j'espère que tu as donné envie, parce qu'effectivement, c'est un très 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 bon film. Et ben, vous avez beaucoup de choses à voir cette semaine en allant au cinéma, en achetant un DVD ou en streaming légal. Hein. Ouais, ou en appelant votre oncle américain. Hein. En appelant votre oncle américain. Tout à fait. Si pour quelques menus euros, si vous profitez de vos jours de vacances pour aller aux États-Unis pour regarder Netflix, ouais. Ou non, ça je ne suis pas au courant. Et donc vous pouvez accéder également au réseau de Netflix qui peut-être arrivera en France dans pas longtemps. Totalement. Bah écoutez, merci pour ces coups de cœur. Je vous propose pour finir l'émission, car elle touche bientôt à sa fin, de faire un petit quiz que je vous ai concocté. Ouais. Et vous avez autre chose. Et je tiens juste à dire que dans le chat, pendant qu'on fait nos coups de cœur, les gens donnent leurs films. Et même si du coup, comme on est en train de faire le coup de cœur, tu vois, regarde la caméra, elle est pas du tout... Est-ce que tu peux faire semblant avec ta bouche? Oui. Ah, dommage. Ah, trop tard. Et donc du coup, forcément, on est dans le coup de cœur et du coup, on ne réagit pas. Mais on regarde et de temps en temps, on essaye de choper les films, de les regarder pour vous faire des retours. Mais essayez de balancer les films que vous kiffez, ne serait-ce que pour que vous puissiez vous les échanger entre vous. Oui, et puis nous donner des idées de films à regarder. Et donner des idées, ouais. Regardez, Abstract nous a dit... Il y a quoi, 6 mois, 1 an de regarder Alabama Monroe. Et voilà. Franchement, il nous l'a dit direct. On est quasiment dessus. Bah on est quasiment dessus. On est dessus, quoi. Ah bah Abstract m'avait. Je ne me rappelle plus, c'était le film qui m'avait dit. Ah si, c'est lui qui m'avait dit Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Abstract, c'est notre distributeur à bonheur. Tout à fait. Alors, on va essayer de faire ce quiz. Je ne sais pas trop comment on va faire ça, car je me suis lancé dans une chose un peu périlleuse. C'est ce que je suis en train de m'en rendre compte. Mais je t'avais dit de faire un top 3. Tu dis Eddie, si on essaie de mettre le top 3. Alors, attends, je vais mettre c'est là. C'est plus simple. Donc... Donc, non, le principe du quiz, on va essayer ça. Il y a Hollywood qui a sorti récemment... Attends, deux secondes. Juste pour le quiz. On est d'accord, c'est moi qui trouve les musiques. Alors, c'est pas des musiques du tout, c'est des affiches que tu as dans ton GFX. C'est pas un blind test. Ah. C'est pas du tout un blind test. C'est pas un blind test, personne n'utilise le mot blind test, Kaoru, tu dis n'importe quoi. Mais par contre, Kaoru, tu es sous, arrête. Oui, je t'avais demandé de préparer la musique des chiffres et des lettres. Mais du coup, tu viens de me niquer mon effet, mais Il y a le breton qui dit Claude Atlas que j'avais trouvé pas si fou que ça. Des frères et sœurs Wakoshi. Ouais, qui manquait vraiment de rythme. Et du réalisateur de Cours, Lola Cours, qui avait. C'est un film. Réalisé à trois. C'est un Allemand, je me souviens pas des noms des Allemands. Ah oui. Unberger. Non. C'est bien. Limitless, alors Nemesis qui dit Limitless, excellent film, à vraiment à voir. Denis Darko, j'ai pas compris Denis Darko, enfin faut m'expliquer. Et puis Darkovsky, ouais, ça c'est à voir aussi. Et Pacific Rim. Ok. Non, je rigole, bien évidemment. Alors, tu nous le fais parce que là, en plus, on voit le ton papier. On voit ton papier. C'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Okay. Alors, ce que je vais essayer de faire pour cette semaine, c'est-à-dire que Hollywood a posté cette semaine sa liste des 100 plus grands films selon eux. Ouais. J'ai donc pris le top 10. Je vais, messieurs, vous le donner dans le désordre. Donc, je vous conseille de les noter quand je vais vous les donner dans le désordre. Ouais, mais même de les noter dans le désordre parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal. Vous pouvez aussi jouer chez vous un 10 en bas de votre écran. Mais 10 films, j'écris super lentement, moi, ça va me prendre 10. On va faire vite, il y aura les affiches. D'ailleurs, Kaoru, essaye d'être chaud sur les affiches. Normalement, elles sont toutes renommées. J'ai pas de stylo. Tu vas les trouver assez vite. On va te trouver un stylo. Utiliser le papier pour s'essuyer le front tellement tout à fait. C'est clair. Alors, on va essayer. Donc, je vais continuer à parler. Mais non, mais j'ai un ordinateur. Tu as un ordinateur. Faisons moderne. Faisons ça avec l'ordinateur. Le chiffre et les lettres, c'est un fail. Bah, tant pis, on va oublier la musique des chiffres et des lettres. Je vais donc vous donner les films, les 10 films dans le désordre. Alors qu'un stylo arrive, c'est dommage. Et un stylo, Florence, je suis sûr, suit bien plus l'émission que Kaoru. Et elle est au taquet, non mais... Elle est au cinéma, d'ailleurs, en ce moment. Elle est au cinéma. C'est comment s'appelle son film? La dernière nuit. Et comment est-ce qu'on peut aller le voir? Au cinéma. Comment on peut aller le voir? Ben, normalement, en payant une place. Ah voilà. Ah oui, mais c'était pour quand ils allaient réfléchir. Oui. Merci, Kaoru. Les musiques. Mais Kaoru, coupe la musique. Merci, et j'ai besoin que tu sois au taquet sur les affiches de films. Alors, je vais commencer par vous donner le premier. Ouais. On va commencer par Kaoru, es-tu prêt? Oui. Par Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Donc le premier que je vous donne. Et après, donc, et je il faut que ce soit dans le top des 100, c'est ça? C'est le top 10, il faut qu'on le remette dans l'ordre, c'est ça? Voilà, je vous donne le top 10 dans le désordre, va falloir que vous le remettiez dans l'ordre. Et c'est un point par Philippe au bon ordre. Et le chat, vous nous aidez pas, hein, parce que si vous le connaissez, vous allez le dire. Et on regarde pas le chat, tu peux couper le chat. Non, et mais ça peut vous donner truc, des idées de films. Le truc qui est stylé, le truc est stylé, c'est que je suis sûr. On va faire le truc. Moi, je suis à fond avec toi. Hein. Non, je suis à fond sur ce truc. Moi aussi. Mais je pense que jamais de la vie, tu pourras déterminer un vainqueur. Si. On va essayer. T'as un système de notes à 10 points, on divise par 8. On va tenter. On est bon. Donc, le premier, Pulp Fiction. Le deuxième, je vais vous donner Citizen Kane. Ouais, d'Orson Welles. Tout à fait. Avec Rosebud. En troisième, je vais vous donner 2001, Odyssée de l'espace. Ouais. Ah, moi, je crois savoir qui c'est le premier. En quatrième, je vais vous donner Le Parrain. Ouais. Putain, c'est chaud, là. Il n'y a que des numéros impossibles. C'est un film sur un mec qui va à un baptême, c'est Le Parrain. En cinquième, Le Parrain 2. Le Parrain 2. Donc là, en fait, c'est le deuxième enfant de sa sœur. Il est une nouvelle fois le parrain. Et du coup, il reva à un baptême. C'est pas mal. Sixième nom, je vous donne Le Magicien d'Oz. Ouais. Et du coup, là, c'est à l'anniversaire de la fille de son beau-frère. Ils invitent un magicien et c'est vraiment génial aussi. Très bon film. C'est la persévérance qui fait la vanne. En septième, Les Évadés. Et là, en fait, donc, la belle-sœur donc, se retrouve en prison, une histoire de garde à vue. Et du coup, il va lui payer sa caution. Mais la musique avec des chiffres et des lettres aurait été tôt bien, tôt, pas mal. Quand vous allez réfléchir. Ah bon? Mais ouais. Ensuite, en huitième, je vais vous donner E.T. E.T, ouais. Et ben oui, E.T est dans le top 10. Avec Drew Barrymore qui, 18 ans plus tard, sera nu dans Playboy. En neuvième, je vous donne Casablanca. Casablanca, ouais. Et est-ce que je vous ai donné la liste de Schindler ou pas encore? Non. Eh ben c'est le dixième, la liste de Schindler. Eh ben je suis pas d'accord parce que le premier c'est Star Wars, l'Empire contre-attaque, plein d'articles pour le dire. C'est quoi ce délire? Eh ben non, c'est ce. Alors je vous rappelle que c'est la liste selon Hollywood, pas selon nous du tout, c'est vraiment selon Hollywood. Okay. Vous allez me dire qui est Hollywood, mais Hollywood est une entité à elle-même et elle se suffit à elle-même, elle vit en autarcie et du coup elle est capable de faire des top 100 juste en s'appelant Hollywood. Merci Karou de t'amuser avec. On fait le classement là? Est-ce que nous pouvons avoir la petite musique? On va avoir la petite musique. Attention, vous allez réfléchir dans 3, 2, 1, Karou, musique! Vous avez une minute. De quoi? Attends, j'ai pas commencé, je suis en train de danser! Et donc, je vous rappelle, le but est de les remettre dans l'ordre de la première à la dixième place selon Hollywood. C'est chaud parce qu'il y en a un qui est noté 1 sur Allociné, mais pas sur IMDb. On est niqué. Et c'est selon Hollywood, hein, je vous rappelle. C'est pas la ref. Ça, c'est pas vrai. Allociné est un très bon site qui a noté 4 étoiles sur 5 le film de Mr. Smith au Sénat. Et 8,3 pour IMDb, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont quand même mis 4 étoiles pour passer toute une vidéo. Et si je dis pas de conneries, il me semble que le premier film de tous les temps selon Allociné, c'est Django. Ah bon? Il m'avait semblé avoir vu ça, mais je dis pas de conneries. Bon, j'ai mis un top, mais je n'en suis pas sûr et je n'en suis pas fier. Et ce n'est pas mes idées. Vous avez votre top 10? Ouais. Très bien, alors je vais vous récupérer vos petites feuilles et on va voir qui a gagné. On lui rend le stylo aussi. Non, stylo, il est stylo. Non, mais on garde le stylo. Et j'en ai besoin d'un pour compter vos points. Non, tu te débrouilles, t'avais qu'à prévoir. Dark Blast dit comme moi Citizen Kane en 1. C'est à toi. Non, c'est... Ah oui, d'accord, vous avez mis ça comme ça. Alors très bien, donc selon Bigby, Citizen Kane serait premier et selon Kerr, c'est la liste de Schindler. Eh ben, vous avez tous les deux faux. C'est Le Parrain. Eh ben, c'est Le Parrain qui arrive premier, bizarrement. Ouais, c'est Le Parrain, ouais. Pourtant, ça a été enfin, j'étais c'est sûr que c'était Citizen Kane pendant très longtemps. Eh ben non, c'est Le Parrain. Ok. Ben oui, je te les ai pas mis dans l'ordre, K.O. Ça m'aurait arrangé, j'avais préparé un effet, c'est tout niqué, quoi. Bon, bah on va devoir arrêter l'émission plutôt que prévu. Je me casse, c'est bon. Ce qui fait donc 0 points pour vous. Alors, Baguette donne les résultats. Alors, est-ce que c'est ses résultats ou est-ce que c'est ses prédictions? Ah bon, apparemment, ce sont ses prédictions. Ses prédictions, ouais. Alors, ok, on enchaîne. Alors, en deuxième place, Bigby avait mis Le Parrain. C'est donc 0 points, car Le Parrain est premier, je vous le rappelle. Et Kerr avait mis... tu n'as pas mis Citizen numéro 2. Kane. Tu as mis Citizen Kane. Et donc, du coup, je suis plus proche de la vérité que Kerr.
Tu es plus proche. Tu as raison. Tu vois, au fur et à mesure que je fais le quiz, je me rends compte qu'en fait, il est absolument impossible. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit ça au démarrage. Non, mais en fait, là, ce qui va être intéressant, c'est avoir un point quand on a donné la bonne position du film. C'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Et là, en fait, c'est non, totalement bizarrement, c'est Le Magicien d'Oz qui est deuxième film, le meilleur film de tous les temps. Attends, Le Magicien d'Oz avec James Franco et Mila Kunis, mais c'est une merde ce film. Non, pas celui-là. Mais c'est... D'ailleurs, l'affiche. Ah, je sais pas. L'affiche est de l'époque. Zéro point pour ce quiz est bidon, sérieux. Ce n'est pas le quiz qui est bidon, c'est la méthode de notation qui est bidon. C'est Redouille qui est un chess réduit. Laisse-moi tester les trucs. Ça se dit Redouille. Redouille. Il est tard. C'est parce qu'il douille et qu'il redouille. Oh là là. Excusez-moi, il est tard. C'est juste que là, vous assistez à la répétition de l'émission de demain. Oui. Ah, c'est dur, je rame et vous m'aidez pas. Mais non, mais je t'ai prévenu. Je suis dans un océan debout. Mais j'étais en toute l'amitié. On est potes, j'étais là pour t'aider. Je t'ai prévenu que c'était un échec. J'aurais dû en faire une news, en fait. Ah, bon. Bref, et donc, selon vous, à la troisième place, c'est 2001 Odyssée de l'espace pour Bigby. Et Le Parrain pour Kerr, c'est donc déjà 0 points. Putain. Et en fait, pour eux, c'est donc Citizen Kane qui arrive en troisième position. 10 numéros, c'est bien trop. On va donc s'arrêter à 5. Et je jette l'éponge. Non, mais donne le top 10 d'Hollywood. Vas-y, dis le top 10, on a tous perdu. Le top 10. Et donc, selon Hollywood, en 4ème on est tous place, d'accord que... C'est Mario Schindler. Non, ce sont les Évadés. Les Évadés. Non, oui, mais c'est très surprenant, mais c'est pour ça que je voulais les Évadés, je savais qu'il était surcoté à Hollywood, mais c'est normal. En cinquième position, nous retrouvons Pulp Fiction, qui, selon vous, était en premier. Eh bien non, il arrive en cinquième position. En sixième position, nous avons le film Casablanca. Et la liste de Schindler est... Non, mais n'importe quoi. La liste de Schindler est assez basse. En septième, Le Parrain 2. En huitième, E.T. En neuvième, 2001, Odyssée de l'espace. Et en dernière place de ce top 10, on retrouve la liste de Schindler. J'ai eu raison ou pas ça sur le 10? Tu as eu complètement raison sur le 10. Boum! Ah non! Booyah! Attends, ta feuille c'est laquelle? C'est celle qui est pas pliée. Et bah, non, tu m'as mis 7ème. Bah attends, viens, je corrige. Attends, viens, je mets 10. Mais tu peux, Le Parrain, tu peux me le mettre en premier? Parce qu'en fait, je voulais mettre premier, mais j'ai mis 3ème. Donc voilà, tout ce qu'il y a à retenir, je pense, de ce top, c'est que le quiz est totalement raté, mais que ce fut un plaisir de le faire. Attendez, il y a un truc que je comprends pas, c'est dans le top 10, il n'y a pas « Et mec, elle est où ma caisse ?» Il n'y a pas « Et mec, elle est où ma caisse ?» Non, parce qu'il est 11. Il est 11e place. Ah bah oui. Il est juste sous Harold et Kumar vont manger un steak, c'est ça, c'est le burger Washington, machin. Il me semble que c'est Star Wars en 11e position. Alors, il y a Zlelan qui dit sur le chat, Schindler c'est nul, ça surjoue les émotions. Et j'ai envie de dire lol. Merci pour ton commentaire, mon cher Kerr. Non, en tout cas, vous pouvez noter ce quiz, de 0 à 10 points. Et j'ai envie de dire, notez bien les règles du jeu, car vous pourrez faire des quiz chez vous avec des amis. Oui. Et on va sortir un truc bandai, d'ailleurs. Et avec un stylo, une feuille de papier, vous pouvez tout de suite vous amuser entre amis. Mais c'est ça qui est vraiment de qualité. Mais bidon, ton quiz Cardel, 0 points. Mais est-ce que vous avez trouvé des choses? C'est ça qui est intéressant, c'est aussi de jouer avec vous et avoir de l'interaction. Voilà comment je peux me sauver sur ces quiz-là. Donc, combien de points avez-vous? Un point pour Breakers dans ce top 10? Où est Drive? Tu sais que sur le papier, quand j'ai pensé à ce quiz, il était bien. Non, non, mais vraiment. Ça partait dans mon truc, mais dans ma tête, j'avais imaginé des tableaux, vous changez les posters, machin, et ben non. Ah, pardon. Donc voilà, mais je vous promets. En tout cas, vraiment un beau quiz. Merci pour les efforts. Je suis content que vous soyez resté jusqu'à la fin. Et plus de 2000 personnes interviewées pour ce quiz. Je tiens quand même à dire que la dernière fois où j'ai fait un quiz, Greg m'a dit « Putain, il était nul ton quiz ». Et là, c'est toi qui le fais et il dit « Putain, il est nul ton quiz ». Alors, je sens que le quiz de Big Bill la semaine prochaine, il va vraiment être super bien. La semaine dernière, il était bien, mon quiz. Bien sûr, il était très bien ton quiz. C'était très, très bien. Sinon, je m'en vais. Vous n'allez plus me donner confiance, je vais commencer par me taire. Donc, les points, 0,5 pour l'effort. GG, moi, 0 pointé. Évidemment, de toute façon, c'était le quiz de l'impossibilité. Le quiz dissident, comme dirait MV et Ken Bogart. Ouais.
On va faire dessiner, c'est gagné, c'est plus simple. Et oui, ce sera peut-être mon quiz la semaine prochaine. Je vous ferai dessiner et chanter. Ah. Au moins, ce sera un quiz peut-être de merde, mais oui, tout le monde se marrera. Est-ce que tu peux chanter ce film, s'il te plaît? Chanter. On pourrait mimer des films. Ah ouais, on pourrait faire un petit Pictionary filmique. Il y a Medjay sur le chat qui nous dit du coup, l'émission la semaine prochaine ou dans deux semaines? Eh bien non, parce qu'il n'y a plus le Bordel Club pendant l'été, parce qu'ils arrêtent nos amis comédiens. Ils font une petite pause. Ils font la pause de l'été, et donc du coup, eh bien, c'est nous qui faisons. On est les remplaçants, quoi. Ouais, en fonction c'est de nos vacances. Il y a le banc des remplaçants qui a été envoyé, c'est nous, voilà. Donc on est là toutes les. Faudra voir aussi avec nos vacances, on ne s'est pas encore calé pour savoir à quel moment on est absent. Rien de fuyard, là. Oui, non, on ne sera peut-être pas là tout l'été, il y aura peut-être une semaine que Kerr va prendre en vacances. Voilà. Au moins, si tu mises de l'argent, tu remportes facilement l'argent. Merci. 10 euros, je te mettrai pour ton quiz. Au moins, si tu mises. De... Très bien. Et eh ben, je crois que l'émission touche à sa fin. Exactement. Et eh bien, du coup, touchons-nous pour cette fin. Et et merci à tous d'avoir regardé. Non, il est tard, hein. Franchement. Les gens qui vont regarder cette vidéo en VOD, chaud. En VOD à 10h du matin, c'est peinard, horrible. Avec l'Ice Tea à la plage, tu vois, clairement, ils ne vont pas comprendre. Putain, mais pourquoi ils sont fatigués? Les vannes sont moins en moins bonnes. Pourquoi? On a tout donné. On a tout donné, mais il est tard. Mais on est ravis, en tout cas, d'avoir fait ça avec vous, de s'être fatigué avec vous, parce que je pense que vous êtes sûrement fatigués à force de nous écouter parler, vous aussi. On revient la semaine prochaine pour entre 1 et 4 heures d'émission. Tout dépendra des news. Seulement 2h30 d'émission, les gens se plaignent. Hein. Le peuple se plaint. On vous a mal habitué avec nos 6 heures d'émission à dire de la merde. Mais oui, mais quand tu dis de la merde, il faut essayer de la raffiner pour essayer d'en garder vraiment les pires. Et le type à droite est bien Bigby, Dragibus. Bonjour. Tout à fait. Donc de se toucher avec nous. Avez-vous des questions? Est-ce que vous voulez qu'on étire Non, on étire plus là. Moi, j'ai envie d'étirer sur la bouteille de coca. Là. J'en peux plus. Là. Ah oui, on n'a pas parlé du sponsor de cette semaine. D'ailleurs, tiens. Le est. Le coca, notre sponsor de la semaine. Et c'est une boisson fort bien quand on la boit. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Et on se termine. Hein? Il faut qu'on parle d'Axe aussi. Il faut qu'on parle d'Axe. et il faut qu'on parle de Infinite. J'ai oublié BioShock. Son nom. BioShock Infinite. Et voilà, que de sponsors vraiment cette émission. Et de la tapisserie du 18e pour. Adidas. On l'a pas dit Adidas, mais on doit le dire. Adidas. Donc voilà, les sponsors sont placés. Grâce à ça, on aura un nouveau quiz. Et j'ai un caleçon d'Im. Attendez, je vais vous montrer. Arrêtons là, les enfants. Arrêtons là. Ok, merci à tous. Ah oui, au revoir. Une dernière chose. On oui, Garou, éteins. Le panier bouton. Le panier bouton. La dernière chose à dire, c'est très important. Disons-le, il faut le dire. C'est très important. Disons-le. À la semaine prochaine, tout le monde. Et les VOD arrivent bientôt, elles seront sur JV et ensuite sur YouTube. Et c'était... Wouhou ! Ciao ! Bisous ! À la semaine prochaine ! Wouhou ! Tu vois, regarde, il nous met pas la fin, regarde. Eh, c'est la fin. Wouhou ! Faites-le avec moi. Non, c'est tellement bien.